Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir Silvano, bienvenue dans ce 26e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Alors, ce soir, Silvano, on t'avait fait une petite commande un petit peu particulière. Alors, oui, juste, je fais une petite parenthèse. Solène ne sera pas là ce soir, je suis désolé pour tous les fans de Solène. Elle a un petit problème de dos, donc du coup, elle est un petit peu alitée. Mais elle va nous regarder avec passion, j'en suis sûr. Donc, on t'avait demandé avec Solène on avait fait une petite demande particulière la semaine dernière pour que tu nous parles d'un cas qu'on ne connaissait pas. Et c'est le cas Bousségui, salut Antoine. de Bousségui. Voilà, c'est Alors ça. effectivement, petite exception aujourd'hui, mais comme c'est un sujet qui a été souvent débattu sur EAT, aucun souci. Il s'agit de quelque chose qui prouve à quel point l'ufologie est intrinsèquement liée à des sujets que certains ufologues, ou supposés ufologues, ou présentateurs arriérés, peinent encore à concevoir. C'est un sujet qui mêle archéologie, extraterrestre, Terre creuse, Illuminati, gouvernement, Vatican, bref, la cabale. De plus, l'un des sujets les plus commentés sur EAT cette semaine a été la déclaration surprise du ministre des Transports irakien sur le fait que les Sumériens volaient dans l'espace il y a 7000 ans. Presque vrai, mais ce n'était pas eux. Il faut pour cela lire Mauro Biglino. Donc je vous emmène ce soir en Roumanie. Une découverte inouïe, inconcevable, inimaginable, même dans nos rêves les plus fous. Une œuvre extra-humaine, âgée de quelque 50 000 années et témoignant de connaissances universelles, terrestres, extraterrestres, tout domaine scientifique rassemblé. Au cœur des montagnes Bousségui, une très grande salle, comparable à une immense bibliothèque, fut découverte en Roumanie. Cette bibliothèque, véritablement universelle, apparaît être l'œuvre d'une antédiluvienne civilisation de géants, offrant une somme inouïe de connaissances dépassant de toutes les bibliothèques réunies de la Terre, en quelque domaine scientifique que ce soit. Mais elle n'est encore entr'ouverte qu'à de très 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 rares privilégiés de la Kabbale et pour des visites extrêmement courtes. Ce site souterrain n'a-t-il pas été également surnommé The Secret Corridor of Power par les auteurs du livre qui nous l'ont fait découvrir, Radu Sinamar et Peter Moon? À ce propos, cher Antoine, tu as une chance extraordinaire. C'est aujourd'hui que sort en France le livre de Radu Sinamar. On le présentera à la fin pour que tout le monde puisse le commander chez notre libraire favorite, Ria. On mettra directement le lien sur le site. Cette base serait certainement demeurée inconnue si un satellite du Pentagone n'avait repéré une structure souterraine très particulière à l'intérieur des montagnes Bousségui, composée de deux grands blocs d'énergie artificielle, dont le plus grand avait la forme d'un dôme, situé au cœur de la montagne. La nature et la disposition de ces énergies donnaient à supposer que cette coupole, d'une géométrie parfaite, avait été creusée par des êtres intelligents. D'autant que le scanner numérique effectué par le satellite mettait en évidence que l'un de ces blocs d'énergie, et là Antoine, tu peux passer la diapositive numéro 1, dressait comme un mur bloquant l'accès d'un tunnel ouvrant sur une grande salle hémisphérique protégée elle-même par une seconde barrière énergétique formant un autre dôme venant la protéger de l'intérieur. Or, l'équipe du Pentagone, qui analysa les données recueillies par le satellite, s'aperçut que la fréquence vibratoire de ces barrières d'énergie était similaire à celle d'une autre structure souterraine de même forme et tenue très secrète, découverte, devinez où, en Irak, près de Bagdad, peu de temps avant la guerre d'Irak, et avant que la guerre d'Irak ne soit déclarée. N'est-ce pas une coïncidence? Tout le monde pense que les Américains ont été en Irak à cause du pétrole. Moi, je peux vous dire qu'ils ont été là-bas à cause de cette découverte qu'ils ont fait. Naturellement, cette découverte fut maintenue ultra top secret, tant son importance était grande au niveau militaire et stratégique, et tant étaient craints les bouleversements de nos connaissances et de nos croyances relatives à notre humanité, à son histoire et ses gouvernements, ainsi qu'à celles concernant notre planète, les espèces qui la peuplent, les civilisations qui s'y développèrent, les technologies extranéennes qui y furent déployées par d'autres races telles que celle de Bousségui, que nous appellerons extra-humaines, et qui vinrent sur notre Terre avant même que l'humanité n'y soit créée.
L'émoi qu'a suscité l'annonce de cette découverte réalisée dans les montagnes Bousségui fut à son comble au Protagone, car il était absolument nécessaire pour les militaires et les autorités politiques les plus hautes que cette nouvelle découverte faite en Roumanie soit tenue aussi secrète que celle réalisée en Irak. Problème, il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Roumanie, donc on ne pouvait pas les attaquer pour les envahir. Leur crainte étant, officiellement et surtout aux yeux des plus importantes sociétés secrètes œuvrant aux USA et dans le monde, que cette découverte, une fois rendue publique, ne vienne changer complètement le destin de l'humanité et les modalités politiques de sa gouvernance. Il fallait donc, selon une politique millénaire bien établie, que les découvertes les plus sensibles et dérangeantes soient maintenues absolument secrètes et puissent le demeurer. Une pression diplomatique considérable fut donc exercée sur le gouvernement roumain afin que rien ne soit divulgué de ces inconcevables découvertes qui venaient d'être réalisées. Mais le président roumain ne partageait pas ce point de vue, aussi fit-il appel en premier lieu aux experts d'un département zéro qui a été créé en Roumanie en 1968 sur initiative politique et qui était consacré à l'étude des phénomènes paranormaux. Ce département top secret du service roumain était composé de 3 unités d'enquête et de surveillance dédiées à différents types d'événements et utilisant des capacités psychiques paranormales, par exemple la vision à distance ou remote viewing, largement pratiquée par les Américains et les Russes, permettant d'explorer des zones de dépôt stratégiques, puis de les surveiller par perception extrasensorielle. Or, certaines galeries parcourant les montagnes des Carpates étaient réputées receler de grandes quantités d'or, mais ces montagnes transylvaniennes étaient encore connues pour être parcourues par d'immenses tunnels souterrains parmi les plus grands du monde. De plus, des phénomènes de téléportation, de disparition mystérieuse, de lumière, de sons souterrains, de rayonnements énergétiques particulièrement puissants, d'étranges signes gravés dans la roche, avaient déjà alerté les services secrets du SRI roumain. Et alors, l'un des directeurs techniques du SRI était quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle César Brad, expert en phénomènes étranges, parapsychologue, particulièrement doué lui-même. À lire Transylvanian Sunrise, un livre qui donne une large description des capacités hors du commun de César Brad. Capacités découvertes dès sa naissance quand il était tout petit enfant. C'est donc à lui que fut donnée la direction des opérations menées dans les montagnes Bousségui pour explorer ce qui fut identifié comme une base construite par des intelligences extranéennes, disposant de technologies inconnues sur Terre pour nos scientifiques contemporains, mais dont certains mythes et légendes esquissent l'existence, ainsi que certains grimoires alchimiques. Cependant, le président roumain et les responsables du SRI décidèrent que cette découverte ne serait pas dissimulée. Pour des raisons diplomatiques tenues discrètes, ils acceptèrent néanmoins que la direction des opérations visant à explorer le site au centre de la montagne par les Américains soit partagée par un homme aux attributions les plus hautes, membre le plus éminent d'une loge maçonnique très importante en Italie, pour ne pas la nommer la loge maçonnique P2, et membre du puissant groupe Bilderberg, le vénérable Signore Massini. L'affaire revêtait donc un caractère unique d'une importance considérable. Afin de creuser un accès permettant de rejoindre la galerie et le dôme situé au cœur de la montagne, Signore Massini fit amener une foreuse utilisée par l'armée américaine. Cette foreuse était capable de littéralement faire fondre les roches les plus dures. Un tunnel de près de 60 mètres fut ainsi réalisé qui vint rejoindre la première grande galerie. Semblable à ceux d'un tunnel de métro, les murs de cette galerie étaient parfaitement polis, mais une lourde porte de pierre venait la clore, elle-même protégée par une barrière énergétique invisible. 3 hommes perdirent la vie par arrêt cardiaque en tentant de la franchir. D'autant que tout objet ou matériau projeté contre la barrière énergétique était immédiatement réduit en poussière. Rien ne semblait pouvoir permettre le franchissement de cette mystérieuse barrière énergétique. Et là, tu peux passer la deuxième photo. C'eût été sans compter sur les grandes capacités paranormales de César Brad, qui ressentit pouvoir s'accorder aux fréquences énergétiques du barrage à franchir. Cette affinité l'amena à porter son regard sur un triangle équilatéral tracé au centre d'un carré, dessiné sur le mur du tunnel entre la barrière énergétique et l'énorme porte de pierre, ce qui le conduisit à seulement effleurer la surface de la barrière énergétique. Il ressentit de simples picotements au bout de ses doigts, issus qu'il pouvait franchir cette porte,
Il s'avança donc, passa simplement à travers et se dirigea vers le triangle au centre du carré qu'il toucha du doigt. L'énorme porte de pierre de 6 mètres de hauteur glissa alors silencieusement pour s'insérer dans le mur. César Brad se trouva dès lors à l'entrée d'une immense galerie parfaitement et uniformément éclairée, sans que soit identifiable une quelconque source de lumière. Cette salle fut appelée la Grande Galerie. Les parois de la Grande Galerie apparurent comme synthétiques, constituées de matériaux inconnus qui ne pouvaient être ni rayés, ni enfoncés, ni percés, ni coupés, ni endommagés d'une quelconque manière lorsqu'ils étaient soumis à des flammes qui furent comme absorbées par la paroi. À mi-distance, cette grande galerie d'une longueur totale d'environ 285 mètres formait un angle aigu de 26 degrés. Mais à l'extrémité de cette seconde section, une lumière d'un bleu scintillant apparaissait tel un reflet. Ce reflet n'était autre que celui de l'écran d'énergie hémisphérique protégeant l'intérieur de l'immense salle, elle-même hémisphérique, mesurant environ 100 mètres de long et 30 mètres de hauteur. Cet écran d'énergie d'environ 20 mètres de hauteur apparaissait constitué comme un bouclier pour les tables et autres matériels techniques disposés à l'intérieur. Dans ce bouclier, une entrée unique permettait d'accéder à cette salle restant à découvrir. Or, et là c'est fantastique, une fois cette grande galerie parcourue et dès que la porte donnant accès au grand hall fut traversée, la coupole d'énergie protégeant cette salle commença à émettre des radiations plus élevées. Que se passait-il ? La raison en fut bientôt connue, car en Irak, le bouclier énergétique d'un autre dôme d'énergie en tout point semblable à celui de Bousséli avait été découvert grâce toujours au même satellite géodésique des Américains en un lieu tenu très secret proche de Bagdad. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste quelques jours avant que la guerre ne soit déclarée. Ce bouclier se trouva à l'instant brusquement activé et passa sur un registre de fréquence plus élevé. Puis sur l'écran de la salle similaire du dôme de Bousséli, apparut un hologramme de notre planète, suivi de différentes séquences de grossissement laissant apparaître tout d'abord l'Europe, puis la Roumanie et enfin les montagnes Bousséli. L'image se stabilisa bientôt sur une vue de l'intérieur de la grande galerie. Les deux lieux étaient donc interconnectés selon un procédé technique encore inconnu des hommes de la Terre. Immédiatement, le conseiller américain en question de sécurité nationale fut averti de cet incroyable événement. Il sut ainsi que l'équipe encadrée par le signore Massini, donc de la loge P2 italienne, et César Brad avait réussi à pénétrer dans la base roumaine de Bousséli, et que celle-ci était mystérieusement reliée à la base irakienne située près de Bagdad. L'affaire était d'une importance si particulière que la présidence des USA en fut immédiatement informée et contacta sans délai le diplomate roumain en exercice. Mais pas seulement, car il nous faut préciser, pour donner un aperçu de la dimension considérable que revêtait cette découverte, que les Américains, par voie diplomatique spéciale, en avaient informé le Vatican, qui avait immédiatement dépêché un envoyé pour réfléchir à la manière dont seraient ou non communiquées publiquement les données de cette découverte. Ayant parcouru la Grande Galerie, nos explorateurs, César Brad et Signore Massini, et des militaires de différents grades roumains et américains, se trouvaient donc à l'entrée de la salle immense qui sera appelée salle de projection. 10 grandes tables en forme de T, en pierre, disposées symétriquement par rapport à l'axe central de l'immense salle, s'offraient à la vue d'une hauteur de 2 mètres au moins. Il n'était pas possible pour les hommes découvrant le lieu de voir ce qui reposait sur leur plateau. Ces tables étaient manifestement faites pour des géants, leur plateau mesurant près de 5 mètres de long et 1 mètre et demi de large. Un escabeau fut donc apporté par les militaires, les hommes purent ainsi découvrir ce qui recouvrait les plateaux de chacune de ces tables, et quel fabuleux usage on pourrait en faire. Deux tables uniquement étaient seulement recouvertes d'une étrange poussière de couleur orange dont la nature ne put être identifiée. Les plateaux de ces tables étaient recouverts d'un film constitué d'un matériau lui aussi inconnu, semblable à du vert sombre, brillant et bleu, dans lequel le visage des observateurs pouvait se refléter. Mais surtout, il présentait différents signes d'une écriture inconnue, comme gravé dans la masse. D'apparence complexe, cette écriture était accompagnée de symboles géométriques, tels que des triangles et des cercles. Ces signes émettaient un léger rayonnement lumineux, différent pour chacune des tables, mais encore, la surface de ces plateaux était divisée en quadrillages dont les cadres délimitaient des secteurs à l'intérieur desquels étaient gravés les caractères. Sur certaines tables étaient disposés des instruments aux usages inconnus, des fils translucides blancs et délicats, souples et légers, parcourus de petites impulsions lumineuses, descendaient jusqu'au sol pour rejoindre des boîtes rectangulaires disposées à proximité. Mais bien plus étonnant encore, lorsque quelqu'un s'approchait de ces tables, une projection holographique était immédiatement activée,
permettant d'identifier le domaine à propos duquel des données scientifiques extraordinaires pouvaient être délivrées afin d'être étudiées. En effet, au milieu de chaque table, une fente étanche de plusieurs centimètres de long, disposée parallèlement aux côtés les plus longs des tables, faisait office de projecteur d'hologramme vivant et coloré, haut de 2 à 3 mètres et d'une grande précision. Cette immense salle fut donc appelée salle de projection. En effet, lorsque d'un quadrilatère de l'une des tables était touché du doigt, jaillissaient de la fente centrale des rayons venant former en trois dimensions l'image d'une situation, d'un être, d'un élément ou d'un composant jusqu'au plus intime et microscopique. César Brad observa que les projections se déclenchaient d'elles-mêmes, mais aussi qu'elles étaient interactives et dépendaient de celui qui les regardait et qui touchait la surface de la table. Deux tables demeuraient vides, recouvertes seulement d'une fine couche de poussière orange. Et donc là, on peut montrer la photo suivante. La première des tables offrait à découvrir les domaines de la biologie dans ses aspects les plus divers. Ainsi, Radu Sinamar lui-même eut l'immense privilège d'en faire l'expérience. Il posa sa main sur une certaine table pour voir apparaître l'image holographique de son propre ADN dans sa forme microscopique. L'auteur raconte ce qu'il découvrit. J'ai légèrement touché l'un des quadrilatères parmi les plus grands, et l'hologramme projeté fut celui de la structure anatomique d'un corps humain. En fait, j'ai vite réalisé que c'était celle de mon propre corps du fait d'une certaine marque que je porte sur le bras. Bien que je ne bouge pas, s'offrir à ma vue les images holographiques de certaines zones de mon corps dans un défilé continu d'images, le présentant sous différents angles. Si je soulevais le doigt de cet endroit, les mêmes images de plantes et d'animaux apparues lorsque nous étions initialement approchés de la table réapparaissaient d'elles-mêmes. Mais lorsque je me mis à déplacer mon doigt à l'intérieur de ce même quadrilatère, l'hologramme faisait apparaître l'intérieur de mon corps et les organes qu'il contenait. Selon que je bougeais la position de mon doigt sur la surface de la table, s'offrait à ma vue la projection de mes organes internes. Par exemple, en zoomant, j'ai zoomé dans des dimensions extrêmement petites, passant au-delà des cellules individuelles, puis de leurs noyaux, jusqu'à atteindre le niveau moléculaire. Je pensais rêver, mais il n'en demeure pas moins que j'ai vu une molécule de mon propre foie et que j'ai pu l'agrandir dans d'énormes proportions. En quelques instants, j'avais dépassé les rêves les plus osés que nos plus modernes scientifiques puissent faire. Puis l'image se présenta sous forme d'un nuage d'énergie aux couleurs constamment changeantes, probablement du fait que des changements énergétiques se produisaient en temps réel dans mon corps. En certains endroits, je remarquais comme des zones de condensation reliées entre elles par une sorte de pont vibrant en continu. J'ai alors pensé que ce pouvait être des chaînes moléculaires. Quand j'ai zoomé pour atteindre le domaine nucléaire, l'image apparue fut celle de l'un des atomes de mon corps, mais l'image devint instable et se figea. J'ai alors pu observer ce que je pensais être un atome, semblable à un brouillard d'énergie mal défini, avec en son centre, comme un très petit point, semblable à un cœur lumineux. Surpris, j'ai alors touché d'autres cadres. Chaque fois que j'en touchais un, il s'éclairait en orange et les signes de cette écriture inconnue apparaissaient à l'intérieur. Fasciné, je me pris au jeu d'activer plusieurs cadres et je pus alors assister à d'incroyables projections de vie se déroulant sur d'autres astres. J'ai également remarqué que si je touchais simultanément les surfaces de deux cadres différents, l'image holographique rendait une analyse scientifique très complexe, présentant les molécules d'ADN de ces êtres et leurs possibilités de compatibilité génétique. Les images étaient accompagnées de lignes verticales bordant cette étrange écriture. Des observations annotées, probablement des commentaires ou des indications concernant l'analyse venant d'être réalisées. Il en résultait la présentation dynamique d'une série de phases possibles permettant la combinaison de deux formes de vie. En fin de compte, la forme mutante la plus probable résultait d'une combinaison particulière de ces données génétiques. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé sur Buseghi. Au centre de la grande salle, une installation particulière qui fit plus particulièrement appeler la salle de projection. Il y avait une cabine cylindrique faite d'un matériau transparent d'un mètre et demi de diamètre. Au tiers de cette hauteur apparaissait une sorte de plateforme bombée d'où partaient des fils métalliques. Les personnes présentes purent alors assister à une projection extraordinaire, relatant le passé le plus ancien de notre humanité et son évolution à travers les âges. N'ayant rien à voir avec les hypothèses de Darwin, dans une synthèse incroyable de précision et de vérité, le spectateur pouvait découvrir les origines cachées des êtres humains de la Terre, ainsi que les faits les plus marquants qui contribuèrent à son évolution depuis des centaines de milliers d'années, et non pas
quelques dizaines seulement. 90% de ce qui est officiellement admis de nos jours apparaissait totalement erroné, faux et fabriqué de toutes pièces. A contrario, nombre de faits relatés par les mythes et légendes des peuples de la Terre se trouvaient confirmés, notamment ceux traitant des continents et civilisations de l'Atlantide et de Mu, mais encore est expliqué comment et par qui furent construites les pyramides d'Égypte et d'ailleurs en tant d'autres merveilles architecturales dont nous ne pouvons même pas encore comprendre aujourd'hui comment elles furent réellement bâties. De temps en temps, le déroulement de la projection s'immobilisait afin que l'image d'un moment particulièrement important puisse être étudiée. Et donc là, ils ont étudié pas mal de moments importants de l'histoire, notamment la crucifixion de Jésus-Christ. Lorsque Signore Massini découvrit une amphore, il considéra qu'en tant qu'initié franc-maçon de très haut grade, que cette découverte était la plus importante et précieuse de toutes. Pourquoi ? L'amphore contenait une poudre blanche très fine qui se révéla être de la poudre d'or monoatomique d'une grande pureté, bien connue des alchimistes véritables, mais dont la structure cristalline demeure quant à elle inconnue de nos chimistes actuels. Sa haute valeur réside dans le fait que la poudre d'or monoatomique, dans sa plus grande pureté, est un stimulant puissant de certaines ondes et courants d'énergie au plan cellulaire et neuronal, permettant une accélération du processus de rajeunissement. Et donc, d'autres, là on peut passer, voilà, c'est la l'image que là, on a découvert que d'autres salles permettaient d'aller vers un tunnel qui allait vers la gauche, qui conduit à une salle se trouvant en Égypte, entre le Sphinx et les pyramides de Gizeh. Et quant à le tunnel de droite, il est relié à une structure similaire située au centre du mont Kailash, dans le plateau tibétain, lequel mont est très sacré pour les autochtones. Et ce troisième tunnel est de plus doté de ramifications secondaires qui conduisent à proximité de la courbe des Carpates. Puis une autre vers l'ensemble découvert en Irak près de Bagdad, gardée par du personnel militaire américain, mais encore vers le plateau de Gobi en Mongolie. Et notons que lors de la Seconde Guerre mondiale, une expédition allemande se rendit justement au Tibet et garda ses découvertes très secrètes. Quant au tunnel central numéro 1, il est tenu le plus secret de tous. Les USA tenant absolument à ce que tout ce qui le concerne ne soit jamais révélé. Des militaires en garde permanente sont entrés, car ils mènent tout droit à la Terre creuse. Il est à noter comme preuve, qu'est-ce que nous avons comme preuve ? Des centaines et des centaines et des centaines de témoignages, hélas tous en roumain. Nous avons tu peux envoyer la photo des squelettes, dans le monde entier, des squelettes trouvés, évidemment, en archéologie, on considère que, on n'en parle pas, parce que ça remet évidemment tout en cause ce genre de squelettes, mais est-ce que ça pourrait être ceux qui ont fabriqué cette salle, vu la hauteur, parce qu'on considère effectivement que vu la hauteur de la table et de la chaise, les gens qui étaient là-bas devaient mesurer au minimum 2,40 m, comme un petit peu ce qu'on a sur la photo. Des émissions télé en direct, encore disponibles sur le web, ont été faites sur Bousségui, dont une où, en direct, le commentateur a été menacé d'un coup de téléphone. Il a dit obligé de prendre, et on lui a, et c'est encore sur le net, on lui a dit de tout arrêter, de se taire, parce que sinon, il finirait très mal. Il y avait beaucoup de preuves vidéo, elles ont presque toutes disparu du net, mais il y en a plein qui les ont gardées, évidemment, qui les ont enregistrées sur l'ordinateur ou en sauvegarde. Et donc, nous avons la chance énorme que Radu Cinema, qui avait écrit ce livre, eh ben, aujourd'hui, il est disponible en français, il est disponible chez RIA, commandez-le, et vous allez pouvoir lire l'expérience la plus extraordinaire qui fait passer l'affaire de Roswell comme un tout petit épiphénomène de l'histoire de l'ufologie. Et là, nous avons bien l'imbrication de tout ce que l'on connaît, nous, et que beaucoup d'ufologues rient sous cap, les gouvernements secrets, les loges maçonniques, les Illuminati, l'implication du Vatican, bien entendu, l'archéologie interdite, les anciens continents, la Terre creuse. Voilà.
Moi, c'est un sujet qui me passionne et que j'étudie depuis très, très longtemps. Et je trouve que c'est scandaleux que dans nos pays, on ne s'intéresse pas plus à Boussouli. Et ça date, cette découverte, de 2003, le Pentagone. Hein, mais les Roumains étaient déjà avant. C'était un peu long, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Alors, je ne sais pas quoi penser. J'ai l'impression que tu nous as raconté, lu un livre de SF. C'est hallucinant. Oui. Mais c'est complètement hallucinant, effectivement. Et tu vois, si tu veux, dans l'émission, je pourrais te donner quelques liens que les gens puissent aller. On peut aussi présenter le livre de Radu Sinhamar, si tu l'as. Je l'avais mis à l'antenne. Ah, d'accord. Je mettrai le lien vers la librairie Odyssée. Super. Et c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de témoignages. Il y a aussi beaucoup de phénomènes ovnis qui étaient enregistrés à Bousségui. C'est une zone qui est complètement fermée. Plusieurs gens ont été enquêtés à Bousségui, dont Damien, qui lui fera, je pense, un ouvrage dessus en 2017. Et Radu Sinhamar. Et puis nous avons aussi, par exemple, des agents secrets roumains qui ont témoigné. Donc c'est en roumain. Donc je fais aussi un appel à tous. S'il y a des Roumains qui veulent bien me sous-traiter quelques vidéos que j'ai réussi à sauvegarder de Bousségui avant que ce soit éradiqué. Par exemple, sur le site de Iverbo, il y avait plein de vidéos. Lui, donc, quand il a fait son premier reportage sur Bousségui, je crois que c'était en 2008-2009, hein, il avait mis plein de vidéos. Et alors, c'est dingue, quoi, parce que chaque fois qu'on clique cette vidéo, il y a marqué cette vidéo n'est plus disponible, cette vidéo n'est plus disponible, cette vidéo n'est plus disponible. On pourrait aussi demander à Yves s'il a réussi lui à sauvegarder toutes ces vidéos. Écoute, je pense que c'est un sujet qui mérite d'avoir une émission, parce que là, tu as vraiment condensé. On était dans le cadre de ta rubrique, tu as vraiment commencé et puis il y a tellement de choses à dire qu'on a débordé. Mais il y a vraiment une émission complète à faire sur le sujet. Et pourquoi pas faire une émission avec tout un tas de vidéos. On va s'attirer des ennuis, je le sens. Mais bon, la révélation n'a pas de prix. Écoute, merci Silvano. Mais je t'en prie. Et puis, j'en profite pour accueillir Hervé. Salut Hervé, comment vas-tu ? Bonsoir tout le monde. Salut Silvano, salut Antoine. Salut Hervé. Ça va ? Ça va très bien. Bousségui, t'en avais entendu parler, toi ? Eh bien, figure-toi que très peu. Très peu, donc je suis assez impressionné de tout ce que je viens d'entendre là, de Silvano, là, de ce qu'il vient de dire. Donc c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. J'aimerais me pencher un peu plus sur le sujet parce que je ne connaissais pas tout ça en fait. Ouais, c'est ça, c'est complètement hallucinant. La semaine dernière, quand on disait qu'on était très peu finalement à connaître le sujet, tu vois, pourtant Hervé est quand même un petit peu dans ce milieu-là. Je suis un petit peu dans ce milieu-là et puis c'est un sujet. Ou alors. C'est un effet Mandela, le fameux. C'est possible. Bon, écoute, merci pour cette rubrique très complète. Tu peux rester jusqu'au bout, hein, Silvano. Allez, je vais écouter Hervé. Ah ouais, je me sens tout petit alors maintenant. Oh, mais non. Alors, j'ai juste une question avant d'attaquer. Grâce à Silvano, sur la page de UAT Facebook, j'ai vu une vidéo que Silvano a postée qui m'a impressionné. Je ne sais pas si tu en as parlé, Silvano, où on voit un ovni qui apparemment essaye d'effacer un chemtrails. C'est assez incroyable. T'as trouvé ça où, Silvano ? Ah, c'est l'OVNI qui absorbe tout. Ouais, ça absorbe. Ouais, Et puis après, ça fait vraiment un trou dans. Ah, ouais, c'est ça. Alors, j'ai vu cette vidéo, ça m'a. J'ai dit, oh là, ça c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Attends, tu sais quoi ? La vidéo, on l'a, allez, on la passe. Ah, ok, allez. Allez. Thank you.
Donc effectivement, on voit bien, Silvano, hein, le. On voit très bien. Oui. Ouais, non, c'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant. Moi, j'avais jamais vu cette vidéo. Alors, bon, Silvano, tu es d'accord avec moi que à plusieurs fois, à plusieurs reprises, moi j'ai vu des vidéos où certains ovnis essayent de nous protéger par rapport à toutes ces choses-là. Hein. Il y a eu le missile à tête, un genre de missile, je ne sais plus où c'était, missile de la tête nucléaire. Oui. Ouais, voilà, il y a eu ça, il y a eu pas mal de choses comme ça. Donc, c'est encore une fois une preuve que ces choses-là, ces ovnis, sont bien des entités qui essayent de nous protéger quand même quelque part. Non, parce que je ne partage pas ton analyse, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils nous protègent. Parce que si tu prends, par exemple, un veau dans une ferme et qu'il y a le feu dans l'étable et que le fermier vient éteindre le feu, le veau peut penser que le fermier leur veut beaucoup de bien et que donc il éteint le feu. Mais après, que disent-ils quand le fermier va les emmener à l'abattoir? Ils ne vont pas comprendre, tu vois. Donc, est-ce qu'ils nous protègent parce qu'ils nous veulent du bien ou est-ce qu'ils nous protègent parce qu'on est leur ferme? Bonne question. Voilà. bonne question. Effectivement, si on le voit de ce point de vue-là, effectivement. Mais, et donc, j'en profite pour faire du coup une belle transition, parce que c'est la rubrique film documentaire. Voilà, ouais, on va passer à la rubrique film documentaire. Je vais juste ouvrir une parenthèse, hein, attendez qu'il y avait Silvano, j'en ai profité. Mais tu as bien fait d'en profiter. Voyage à travers le cinéma français, c'est ça? Voilà, tout à fait, voyage à travers le cinéma français. Alors, ce film, donc, il dure quand même 3h15, donc ce n'est pas un petit film, c'est un gros, gros film. M'a interpellé parce que c'est Bertrand Tavernier qui l'a réalisé. C'est plus un travail d'enquête, de recherche, qui a pour but de rassembler plus de 50 ans de cinéma français. J'ai trouvé ça super. Alors, bien sûr, en passant de Gabin par Belmondo, donc par tous les plus grands acteurs et par tous les plus grands cinéastes réalisateurs, en passant par Truffaut, Renoir, Becker, Demy, enfin, il parle vraiment de toute cette, de tous ces réalisateurs, de tous ces cinéastes qui ont voulu donner quelque chose en plus il y a 50 ans dans le cinéma français. C'est un peu ceux qui ont voulu révolutionner le cinéma français, qui ont voulu apporter une nouvelle image, de nouvelles idées, quelque chose de nouveau dans le cinéma français. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Il faut savoir que Bertrand Tavernier a plus... Alors c'est drôle. Il a plus de 53 films tournés. C'est un cinéaste et un réalisateur assez important, hein, Bertrand Tavernier, parce que il a réalisé plus de 53 films. Il a 53 ans de carrière, donc c'est assez drôle. Il a quand même réalisé des films très importants, hein, Bertrand Tavernier, comme le Quai d'Orsay. Il avait tourné un film qui s'appelle Dans la brume électrique avec quand même Tommy Lee Jones, donc il a des films assez importants qu'il a réalisés. Et donc là, il a voulu réaliser, comme je le disais, c'est plus un travail d'enquête, de recherche qu'il a voulu regrouper plus de 50 ans du cinéma français, qui est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Alors, ce que je te propose, comme chaque semaine, hein, on va regarder la bande-annonce du film. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse, parce que vous avez tous eu la désagréable, en tout cas ceux qui regardent Miasme à travers vos smartphones, la désagréable surprise de ne pas y avoir accès, parce que la semaine dernière, on a diffusé la bande-annonce des Pépites. Pour le coup, donc ces bandes annonces sont liées à des droits d'auteur. En général, les droits d'auteur empêchent juste la monétisation de l'émission. Là, pour le coup, ça empêchait la diffusion de l'émission sur certains supports, dont les smartphones. D'ailleurs, Rock Soccer avait eu le même souci avec sa précédente émission. Donc, je lance un petit appel, hein.
Si vous voulez qu'on puisse diffuser l'information, qu'on puisse faire tourner vos teasers, vos bandes annonces, mettez pas trop de droits, sinon au final on coupe et puis on vous diffuse pas. Voilà. En tout cas, j'espère que celui-ci a un droit qui est restreint. Ça s'appelle Voyage à travers le cinéma français et on regarde la bande annonce. Oui. Voilà, donc non, c'est quelque chose de très très intéressant. Voilà, ça sort un peu du contexte habituel parce que c'est vrai que souvent on part sur des films documentaires qui sont des faits réels qui se passent dans la vie de tous les jours et notamment dans des pays étrangers, par exemple, comme on a vu la dernière fois. Là, j'ai vraiment voulu sortir du contexte et vraiment rester ici en France où on voit. Voilà, toutes ces années de cinéma, on va dire, ça a été un peu les pionniers du grand écran, ceux qui ont voulu apporter quelque chose de nouveau sur grand écran au cinéma français. Je trouve ça vraiment super. Donc, alors bien sûr, tous ces acteurs très connus hein, comme Belmondo, Gabin, qui ont révolutionné tout ce qui est films d'action, etc., etc. Donc non, c'est quelque chose qui m'a interpellé et j'ai trouvé ça super. Donc ça sort le 12 octobre. Je rappelle, ça, il dure 3h15 hein, quand même. Il y a de la recherche derrière, donc c'est pas n'importe quoi. Donc c'est en salle le 12 octobre. Voilà, le 12 octobre. Et puis bon, okay. Je rappelle hein, qu'on peut te retrouver dans ta prochaine émission que tu sors d'ailleurs la semaine prochaine, hein, c'est le cas. Oui, alors donc là je vais avoir une nouvelle vidéo sur ma chaîne, c'est l'histoire donc du le cas de Jonathan Reed. Voilà, Jonathan Reed. Il a eu une rencontre du troisième type qui s'est passée aux États-Unis. C'est assez incroyable son histoire, donc j'ai voulu revenir dessus parce qu'on en parle très peu. Encore une fois, il y a très peu, déjà d'une, il y a très peu d'informations. Moi, les informations que j'ai sur cette histoire et sur cette personne, c'est par rapport à mes contacts au Mexique qui ont eu, parce que Jonathan Reed est venu sur une chaîne, enfin sur deux ou trois chaînes télé au Mexique pour parler de son cas. Donc j'ai eu un peu plus d'informations concernant ce cas parce que ils ont sorti, c'est apparu dans des magazines, des choses comme ça là-bas. Donc j'ai eu un peu plus d'informations. Donc j'ai voulu revenir sur ce cas parce que ici il y a eu très peu d'informations qui sont arrivées et c'est une histoire assez incroyable. Donc, ça va être un cas qui est complètement inédit pour le public français. Sylvano, t'en as parlé ? Oui, un peu, ouais. D'accord. C'est vrai. On va pouvoir approfondir avec, avec ton émission. Donc, elle est en ligne la semaine prochaine ? Oui, dimanche. Même plus dimanche, je pense. Oui. D'accord. Voilà. Donc, dimanche. Voilà. Exact. D'accord. Voilà. Vous finissez Mias, mais puis après vous passez directement sur l'émission de Hervé. Ok. Ben voilà, merci. Écoute, à la semaine prochaine, Hervé. À la semaine prochaine, merci. À bientôt, Sylvain. À bientôt, Antoine. À bientôt, Hervé. Ciao. Bye. Ciao. Et donc, on va passer immédiatement au programme TV et on reçoit pour ça Claire Thomas. Bonsoir, Claire. Coucou, Antoine. Ça va? Très bien, et toi? Écoute, oui, ça va, en forme. Aujourd'hui, il a fait beau sur Toulouse, ça nous a fait du bien. Un peu de beau temps. Je sais que sur Paris, il fait pas aussi beau. Et de ton côté, dans le nord, c'est mieux ou pas? Le nord, Andy, hein, c'est pas encore tout à fait le nord-nord. Non, c'est. Mais je préfère pas parler de beau temps avec des Toulousains, tu sais, ça me fait mal en tant qu'ancien Toulousain. T'as bien raison d'en profiter. Alors, comme tous les mois, on te reçoit pour que tu nous fasses en début de mois, hein, pour que tu nous parles un petit peu de la grille de CTVM TV. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir de beau ce mois-ci sur CTVM TV?
Alors, les choses qui sont intéressantes ce mois-ci, c'est la mini-série qui va commencer du coup le 14 octobre à 10h. On le met tôt le matin parce que voilà, c'est pas le même format, c'est un format assez court, qu'a fait Alain Desgoumois. Donc, c'est une mini-série qui va s'appeler Nous sommes des êtres merveilleux. Donc, c'est saison 1, épisode 1. Je vous conseille vraiment de le voir parce qu'il a fait un boulot qui représente 60 heures de travail. C'est juste magnifique. Quand j'ai vu le résultat, j'ai fait « Waouh !» J'étais émerveillée et je pense que ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Dans les choses qui sont intéressantes, nous allons recevoir aussi Kevin Ravi, tu sais, le comique. Ce sera le 19 octobre sur Société et Culture avec Audrey. Et donc, il nous parlera de son monde, de sa vie. Donc, ce sera le monde selon Kevin Ravi. On a aussi La Bête de Gévaudan, toujours sur Société et Culture avec Audrey, maintenant qui est au taquet, avec Gaëtan Delbar. Gaëtan Delbar que j'ai connu grâce à BTLV, donc merci BTLV. C'était lors des premières journées de l'Inexpliqué où il a parlé du Paris hanté. Et j'ai visité oui, il avait fait une sortie, oui, il avait organisé une sortie. Tout à fait, à Paris, c'était génial. Donc, voilà, et j'ai eu un super contact avec Gaëtan, on est toujours resté en contact, et il va nous parler de la bête du Gévaudan, et il reviendra une fois par mois, je pense, nous raconter des histoires. En plus, j'adore sa voix, en plus, c'est vraiment, tu sais, le personnage Gaëtan, il fait jeune, mais en même temps, il a une voix, elle me dit, mais il a 60 ans au téléphone, je dis, non, il est jeune, tu verras, il a 40 ans, 45 ans, et en même temps, il a une voix qui fait voyager, en fait, quoi, avec cette histoire, la façon dont il les raconte. On va avoir sur Planète et Écologie deux émissions le 19 octobre à 19h30 parce que Kevin Ravi à 19h30 parce que comme il est en show, il ne pourra pas rester aussi tard que 21h. Mais à 21h, on a Planète Écologie avec la ville intelligente pour citoyens autonomes qui sera présentée par Sylvie et avec comme intervenant Tony Canadas. Et la semaine d'après, elle recevra le 26 octobre l'art tibétain de la guérison avec Sowa Rigpa. Dans les choses intéressantes sur l'ufologie, on va avoir un débat entre Marc Auburn et Paul Ponceau. Hein, je pense que là, ils ne vont pas être d'accord. Ça devrait intéresser à Silvano. Ouais, non, Auburn, non, pas du tout. Alors, le débat, Silvano. Bah, s'il y a débat, c'est pas mal. De toute façon, avec Paul Ponceau, il y aura forcément débat parce que c'est totalement deux personnages différents qui n'ont pas du tout les mêmes points de vue. Donc, ça sera sur le shape-shifting et la brigade des capacités humaines. Sommes-nous manipulés par les extraterrestres? Donc, c'est posé. Et on finira avec Margret en atelier en fin de mois, toujours sur Ufologie, à 21h, le 27 octobre, avec la télépathie vue par l'ufologie. Et c'est Margret qui viendra. Sur médiumité et coaching, on a une thérapie quantique. Alors, on a deux ateliers de thérapie quantique avec Frédéric Dreyfus, qui sera donc le 20 octobre et le 18 octobre. Ce sera Transformer la peur et méditation guidée avec Grégory Montombeau. Et enfin, on aura les deux dernières émissions, le 26 octobre sur l'hypnose régressive quantique pour développer votre potentiel. Et le 31 octobre, on finit avec une émission où je vais parler des vies antérieures des célébrités. Et comme on me l'a demandé, alors elle n'y est pas encore l'émission, enfin l'article n'y est pas encore, je vais le faire. Mais le slide y est déjà. Ce sera sur Lady Diana, parce qu'on m'a dit Lady Di, j'aimerais bien. Donc on va. C'est vrai que j'ai fait que des mecs depuis le départ. Donc ça serait bien de faire une femme. Et comme on me l'a souvent demandé, donc on va faire Lady Di pour ce 31 octobre. Les sons qui guérissent l'âme, tu l'as peut-être celui-ci, tu l'as peut-être passé rapidement, ou tu l'as pas dit. Ah oui, mais c'est le 11, effectivement, le 11-10, donc le 11 octobre à 19h30, ce sont les sons qui guérissent l'âme et le corps avec Isabelle Hochmar qui est sur la chaîne Médiumité. C'est vrai que le temps passe vite, on est déjà le 7. Et voilà, et le 10, on a une émission ufologie, juste Mohamed, parce qu'en fait, il a beaucoup de sujets qui l'intéressent et qu'il aimerait développer. Il voulait traiter le sujet de la Lune, que referme la face cachée de la Lune. Donc, il bosse depuis des semaines dessus. Il adore ce sujet. Donc, ce sera juste lui qui va vous parler de ce sujet-là.
D'accord. D'ailleurs, son émission avec Margret sur le remote viewing et ouais. l'expérience qu'ils ont faite à la fin était vraiment très, très sympa, ouais. très intéressante à faire. J'ai vu qu'il y avait des bons retours, et dont le fameux monsieur Tesla, Laurent, je crois, qui, sur la question qui est-ce, alors que c'était Tesla, il répond à côté, mais c'était assez rigolo comme synchronicité. Ouais, mais je trouve que Margret, c'est un intervenant de qualité. En plus, il s'entend bien avec Mohamed. Le feeling est bien, donc c'est tant mieux. Et c'est vrai que les émissions dont il nous parle, je voulais chercher le sujet, voilà. Les sujets dont nous parle Margret sont toujours, ça nous donne toujours une matière à réflexion. Et c'est vrai que le remote viewing, c'est quelque chose qui fascine Mohamed. Donc, c'était bien d'en parler. Il est en train de lire un livre, justement, dessus. Ouais, vraiment. C'était vraiment une chouette émission. Mm. OK. Écoute, un programme. Alors, un peu au pas de course, hein, parce que c'est vrai que tu as un rendez-vous juste après. Mais en tout cas, voilà, c'était bien condensé. Donc, une grille qui est toujours aussi riche. Ouais. Donc, j'ai bien noté la nouveauté, ce fameux petit téléfilm. Mini-série. Que tout le monde attend et qui devrait vraiment cartonner. Voilà, c'est TVMTV ce mois-ci. Ouais, c'est que du bonheur. Et puis d'avoir Kevin Razi, franchement, j'y croyais pas trop. Mais Audrey me fait, mais si tu verras. Donc, je fais, OK, bon, bah, on verra. Et donc, c'est bien parce que ça montre que voilà, on commence à avoir une validation, à avoir des gens qui sont intéressants. Et puis, il y a quand même des sujets. Je trouve que les animateurs, maintenant, ils ont pris leurs petites habitudes, leur petit cocon, c'est un petit chez eux. Et je sais que Elisabeth de Cagny adore Audrey. Donc, je pense que c'est bien parce que du coup, ils vont tous trouver leur marque et on voit vraiment les personnalités qui commencent à émerger, quoi. Et les intervenants, on essaye toujours d'en trouver des nouveaux. Mais je pense que sur les véritables secrets des châteaux du roi François Ier avec Daniel Coilac, c'est quelque chose qui a beaucoup plu à Didier Coilac. C'est un sujet qui a vraiment passionné Mohamed. Je pense qu'ils vont faire d'autres émissions ensemble parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses encore à dire sur d'autres châteaux notamment. Tout à fait. Alors, donc, Elisabeth de Canini, oui, qui est passée en début de mois. Donc, effectivement, t'as, mais vous pouvez la retrouver en replay. Hein, elle était passée le 5 octobre, donc cette semaine, la semaine ouais. où on enregistre, sur les visiteurs de Clarion. Et moi, j'ai une petite info à vous donner concernant Elisabeth de Canini. Alors, on devait le faire aujourd'hui, mais on l'a reporté à la semaine prochaine. Elle va tenir une petite rubrique chronique mensuelle qui va s'appeler L'art dans tous ses états. Voilà, sur Miasme TV. Donc, vous aurez le plaisir de retrouver sur une petite chronique de 5-10 minutes ou plus, hein, connaissant Elisabeth, ça peut peut-être durer un peu plus. Ça peut durer un peu plus, ouais. Voilà. Il y a des chances. Donc, l'art dans tous ses états est vu du côté peut-être un petit peu à Elisabeth, quoi, avec son œil à elle. Voilà. Eh ben, bon, c'est bien. En tout cas, Claire, on te remercie pour ce passage. Et puis on te donne rendez-vous au mois prochain, début novembre, pour nous parler de cette future grille de novembre qui sera, j'en suis sûr, aussi géniale que celle d'octobre. Bah, je pense que pour novembre, on devrait avoir une forte probabilité d'avoir une animatrice santé. Là. Je suis sur un coup, donc en novembre, il y aura certainement de la nouveauté encore sur cette EVMTV. Le retour de la santé sur cette EVMTV. Ouais. Ok. Ouais. Ok, bah écoute, bonne fin de soirée, bon week-end et la bise aux Toulousains. Merci, bon week-end à toi, bon week-end à Silvano aussi. Et puis, au plaisir de se revoir en novembre. Entendu. Allez, ciao, ciao. Merci, ciao. Écoute, Silvano, on va continuer donc cette grille des programmes de Web TV de la semaine, maintenant qu'on a fait le tour de ce qui se passe sur cette EVMTV avec... notre ami Claire Thomas. Allez, je partage la fenêtre. On tombe sur la grille. Allez, bah écoute, je te laisse commencer avec l'émission de mardi. Le 11 octobre, 20h30, La mort, c'est inconnu, avec Olivier Enfou. Donc, je rappelle qu'Olivier Enfou est un thanatopracteur. Donc, c'est celui qui embaume les morts. Hein. Et donc, il nous raconte des moments inoubliables qu'il a vécu avec cela. Voilà. Et d'ailleurs, il a vécu, il me semble, une petite lévitation d'un des corps un jour qu'il était en train d'embaumer. Tout à fait. On en a déjà parlé dans une des émissions.
Ensuite, voilà. Le 12 octobre, 21h, sur CTVM, La Bête du Gévaudan avec Gaëtan Delba. Donc, pour tous les passionnés d'histoire ésotérique, à ne pas manquer La Bête du Gévaudan. Ensuite, nous passons le jeudi 13 octobre à 20h30 avec Daniel Aran, une approche différente des ovnis. Vous savez tous que Daniel Aran est un maître de conférences en physique et qu'il a analysé les crop circles et qu'il donne une observation différente des crop circles par rapport à Umberto Molinaro, par exemple. Et là, il s'intéresse aux phénomènes lumineux, au matériel inexpliqué, aux ovnis. Et donc, c'est une approche un petit peu différente qui est agréable à découvrir. Ensuite... Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter à Daniel Aran. Ah bon, ça sera il faut. Ouais, bon, il faut que j'ai encore eu le temps. Et donc, le jeudi 13 octobre à 18h, sur Akasha Web Radio TV, Apprivoiser l'anxiété et le trac par Isabelle Calmette. Donc ça va intéresser tout le monde, tous ceux qui sont anxieux, qui ont le trac de prendre la parole en entreprise, n'importe où, dans des réunions. Ça peut être sympa pour tous ces gens-là. Voilà. Alors toujours jeudi. Et toujours jeudi, je l'ai paumé du coup. On avait Marc. Ah non, c'est pas, j'ai pas loupé Marc. Oui, c'est Marc. Alors mardi, jeudi 13 octobre, 21h, vous notez tous dans vos agendas, Military ET Abduction, Freemason, Persecution, Mind Control Experience, avec Joanna Somerscals et Bill Brooks. Et donc là, nous sommes avec notre ami Marc Gray, qui a deux invités en live, en direct d'Angleterre. Et ça va être, comme d'habitude avec Marc, passionnant. Voilà, ça, on n'en doute pas. Alors, toujours jeudi, on va aussi avoir le fameux live de notre ami Ludovic, donc Arcana, des Mystères du Monde. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il était venu, il nous avait expliqué qu'il allait faire un live à partir de sa précédente vidéo, dont le sujet était l'Atlantide. Et donc là, il agrandit un petit peu le sujet, l'archéologie interdite, les questions qui dérangent. Ça se passe à 21h. Donc, ce qu'il faut bien noter, il l'a bien précisé, c'est que le live est gratuit pour tout le monde sur sa chaîne au moment du live. Mmh. Et ensuite, la rediffusion de l'émission, il la laissera juste en exclusivité à toutes les personnes qui le soutiennent via Tipeee. Donc voilà, si vous voulez participer à cette émission... surtout, il faut vraiment pour le coup être présent. Il n'y aura pas de sauf pour les membres de Tipeee, il n'y aura pas de podcast visionnable a posteriori. Et moi, je vous invite à regarder son émission qui était vraiment très très bien sur l'Atlantide, qui résume bien tous les sujets concernant l'archéologie interdite qu'il va voir ce soir-là. Et préparez vos questions, ça devrait être passionnant. Alors, Ensuite, on passe à vendredi, les sentiers du réel, avec notre ami Alexis Lambin, qui invite Monsieur Rudy Cambe, Nostradamus, un imposteur, point d'interrogation. Alors, en parlant de Rudy, je vais faire une grosse digression. J'en profite pour faire une grosse digression. Ce n'est pas le même. Hein, je vous avais conseillé de regarder donc Rudy, l'auteur... l'auteur du livre Rennes le Château, les sources, cette semaine sur Nuria TV. Et donc la semaine prochaine, et je m'aperçois que j'ai oublié de mettre le visuel sur la grille, mais ça sera vite rattrapé. Nous aurons la chance d'inviter Rudy avec donc Yves Cara, ça sera diffusé samedi prochain. Et pour le coup, on va essayer d'attaquer cette émission d'une autre façon. Hein, on va moins s'aller dans le mystère tel qu'il l'a fait sur Nuria. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'émission sur Nuria, comme ça, ça vous donnera un premier aperçu. Et nous, on essaiera de comprendre un petit peu qui est l'homme caché derrière Rudy, comment est-ce qu'il en est arrivé à ce cheminement pour pouvoir faire les découvertes qu'il a faites. Voilà. Donc, toujours sur notre grille, on a notre ami
Hervé va diffuser sa nouvelle émission « Le cas de Jonathan Reeds ». Ensuite, eh bien, vous retrouvez forcément Miasme numéro 27 la semaine prochaine, plus les émissions que l'on n'a pas encore mises parce qu'on n'a pas encore les invités, c'est-à-dire BTLV avec le live mercredi à 18h et BTLV TV le vendredi à 21h, et les émissions de TEPA sur Meta TV. Voilà. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette grille. Donc, comme je dis assez régulièrement, venez sur le site, la regardez régulièrement, parce que je la mets à jour tous les jours en fonction des nouvelles émissions qui apparaissent au dernier moment. Voilà. Bah écoute, Silvano, si on passait à l'agenda de la semaine. Alors, cet agenda de la semaine, écoutez, le mois d'octobre va devenir, c'est un petit peu enrichi, on va dire. Alors, peut-être pas la semaine du 10 au 16 octobre, où on reste encore sur uniquement trois événements que je vais partager de suite. Mais regardez les grilles des autres semaines du mois d'octobre, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de salons sur cette fin du mois d'octobre qui sont référencés. Mais tout à l'heure, tu parlais de Umberto Molina. Mm-hmm. Donc, Umberto, là, il va faire toute une série de conférences. Ouais. Dont celle-ci, allez, je l'agrandis pour qu'on puisse avoir le détail. C'est à Saint-Dizier, dans le 05. Donc, c'est dans la région PACA, ça il me semble, Saint-Dizier. Saint-Dizier Je ne sais pas comment tu l'appelles. Ah, Saint-Dizier, d'accord. Parce qu'il y a Saint-Dizier qui est dans le 52. Là, c'est Saint-Dizier. Ouais. Didi avec un S, c'est ouais. Dizier. Attention, hein, c'est pas. Ouais. Sinon, vous n'allez pas aller au bon endroit. Donc, c'est le vendredi 14 octobre à 19h. Il y a la partie dîner et conférence à 20h30. Vous pouvez faire les deux ou juste la conférence si vous préférez. C'est à l'hôtel-restaurant La Nérette. Et donc, l'enseignement des crop circles avec Umberto Molinaro, un phénomène mystérieux, une science extraordinaire et un message pour l'humanité. Et donc, il fait d'autres conférences d'ailleurs sur l'île à la fin du mois et on essaiera de l'inviter à Umberto pour qu'il vienne nous en parler. Sympa. Alors, ensuite, il y a la conférence suivante, c'est une tournée. C'est la tournée de Marc Saint-Germain, qui a eu la gentillesse de venir sur Miasme TV pour pouvoir nous expliquer un petit peu cette tournée, en quoi elle consiste. Et il était accompagné de Pascal Fechner, hein, qui est co-organisateur de cette tournée. D'ailleurs, il commence à Marseille mercredi 12 octobre et ensuite il va faire les repas UFO de France. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on retrouve Marc et Pascal maintenant. Eh bien, bonsoir Pascal, comment vas-tu? Bonsoir Antoine, bon, cool, ça va très bien, ça va très très bien même. Dis-moi, ce soir tu me ramènes un invité d'honneur outre-Atlantique? International, mondial. International, mondial. Bonsoir Marc Saint-Germain, comment vas-tu? Bonsoir Antoine, bonsoir Pascal. Salut. Ça va très bien, ça va très bien. Bon, tu sais quoi, ça nous fait plaisir de te voir sur Miasme TV. Parce que c'est vrai que tu es quand même une entité, une renommée internationale, comme l'a dit Pascal, dans le monde de l'ufologie, chez nos cousins canadiens et québécois. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, avant qu'on attaque ton actualité, est-ce que tu peux nous dire en deux mots un petit peu quel était ton parcours et quel est ton rapport avec le MUFON Québec? Oui, en gros, je me suis intéressé à l'ufologie, ça fait environ, intéressé de plus près, parce qu'il y avait des gens dans mon entourage qui avaient fait des observations rapprochées, puis ça m'avait intrigué, puis ces gens-là n'en parlaient normalement pas aux autres, mais moi, étant donné qu'il semblerait que j'ai une certaine ouverture d'esprit, ces gens-là s'ouvraient, puis me racontaient leurs observations. Et avec le temps, je suis venu avoir plusieurs récits, mais répartis un peu partout au Québec. Puis des fois, c'est des récits impressionnants, là, des rencontres vraiment rapprochées. C'était pas que des petites lumières dans le ciel. Puis à la longue,
Bon, ben, j'en ai conclu qu'on n'était pas seul, qu'on était visité, qu'il y avait des vaisseaux qui dépassaient ce qu'on connaissait d'un point de vue technologique. Puis, en même temps, en 2008, j'ai publié un ouvrage sur les origines de l'humanité. C'est un essai anthropologique, mais j'avais fait une étude comparée des mythes, traditions sumériennes, égyptiennes, grecques, donc beaucoup d'anciens mythes, de mythes anciens, au niveau des origines. Puis, ce que j'en avais conclu, c'est que notre civilisation actuelle, on a été implanté ici. D'accord, c'est le principe du néo-évémérisme, en fait. Est-ce que ça s'appelle comme ça? Il y a des petites nuances à apporter dans ma théorie. C'est que moi, je suis convaincu qu'il y avait une espèce endémique à la Terre avant. Cette espèce-là était loin d'être ignorante, puis loin d'être une brute barbare. Bon, l'aspect dynamique, j'en ai aucune idée, mais j'ai le sentiment qu'il y avait une espèce endémique. Pourquoi? Parce que plusieurs textes disent que, bon, quand les dieux sont arrivés, on les appelait les dieux à l'époque, il y avait des gens ici. On parle pas d'Homo erectus, là, comme dans la fameuse théorie de Sitchin, mais on parle bien d'Homo sapiens, là, comme nous. Les dieux ont pris bon chacun leur territoire, là, comme la mythologie grecque le dit, là, puis ont commencé à régner sur les humains. Des peuples qu'ils avaient eux-mêmes implantés. Puis ça, on retrouve ça dans plusieurs anciennes civilisations. Même celle qui est la plus parlante à ce niveau-là, c'est les textes, ben, la Bible des Maya Kishi, le Popol Vuh. Bon, dans lequel on décrit bon, plusieurs différentes implantations, comme nous, on est la cinquième selon le Popol Vuh. Et à chaque fois, on dit nos ancêtres ne sont pas nés de la relation d'un homme et d'une femme, ne sont pas issus d'une grossesse maternelle. On est véritablement des dieux qui nous ont créés, qui nous ont formés dans une matrice. Puis c'est comme ça que nos premiers ancêtres ont vu le jour. Puis c'est répété plusieurs fois dans le texte pour que les gens comprennent bien ce qu'ils voulaient dire par ça. C'est sûr que si tu lisais ce texte-là, il y a 50 ans, ça ne disait rien. Aujourd'hui, avec les avancées, la génétique, le clonage, puis tout ça, ben nous-mêmes, on est capable de faire certaines choses. Donc, ces textes-là racontait ça. Puis, bon, ce qui me fait comprendre que nous, notre civilisation, on a été implantée ici, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu plusieurs autres civilisations avant nous. Mais il y a eu une espèce de cataclysme dont toutes les anciennes traditions s'accordent aussi. Puis c'est suite à ce cataclysme-là qu'on a réimplanté notre civilisation. L'idée aussi dans tout ça, c'est que en tant que, bon, civilisation implantée, on a comme, sans avoir des comptes à rendre, c'est que on a en quelque sorte une propriété. On est une propriété. Ces êtres-là qui ont implanté cette civilisation-là pour qu'elle prospère, ils ont des intérêts dans notre cheptel, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, dans les recherches que j'ai faites, justement sur le dernier cas qu'on a eu, qui m'a amené à écrire mon troisième livre, c'est une confirmation de ça. Dans le sens que, c'est ça, là, je saute du coq à l'âne, mais c'est pour faire un lien, pour arriver à comprendre comment je peux arriver à faire un essai sur les origines des civilisations par comparaison des mythes, puis après ça, tomber dans l'ufologie. Il y a un lien étroit. Il y a un lien étroit parce que c'est présent dans les textes partout. Cette histoire-là d'anciens dieux qui venaient, bon, ben, ils venaient du ciel, on s'entend, avec des technologies.
plusieurs noms associés à ça, tout dépendamment de quel groupe on parle. Puis dans les premiers temps où j'ai donné ces conférences-là, aussitôt que j'abordais la notion d'OVNI, extraterrestre, il y a des gens qui sortaient de la salle. Là, je me disais, waouh, j'essayais de comprendre un peu cette psychologie-là. J'ai compris assez rapidement que l'ufologie, ben, les OVNI en général, c'est un tabou, hein, c'est une forme de tabou, mais je ne comprenais pas comment quelque chose comme ça pouvait être un tabou. Je sentais quelque chose d'artificiel. Donc, j'ai continué à faire une recherche un peu plus approfondie là-dessus. Puis en 2011, c'est ce qui m'a amené à commencer l'écriture de mon deuxième livre, Les gardiens du silence. Et c'était justement pour comprendre l'origine de ce tabou-là. Puis je suis tombé dans la grosse conspiration américaine avec le crash de Roswell, avec la CIA, le Conseil de sécurité nationale. Puis en cherchant dans ces documents-là, parce qu'il y a beaucoup de documents dans ces années-là, c'est ça qui était intéressant à faire comme livre, même si ça a été ça a pris beaucoup de temps d'énergie, ça a pris 3 ans de recherche, de compilation de données, de mettre ça ensemble. Au bout de la ligne, je suis content du résultat parce que ça m'a aidé à comprendre vraiment le tabou. En fin de compte, le tabou, c'est les opérations psychologiques de la CIA. La CIA ont le bras long. Eux, finalement, c'est à la grandeur du monde, hein, la CIA. Donc, je vais fermer mon... Donc, après ce deuxième livre-là, là, j'exposais un peu ma perception du fameux tabou OVNI avec les origines dans... la conspiration, si on peut appeler tout ça comme ça, silence des gouvernements américains, puis par la suite du complexe militaro-industriel. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à voir un peu ce qui se passait au niveau du programme spatial clandestin. Parce que le programme spatial clandestin, ben, celui du groupe élitiste américain, a commencé dans les années 40. Dès les années 40, on commençait à savoir que c'était possible de non seulement aller dans l'espace, mais de faire des voyages spatiaux interplanétaires. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ces voyages-là avec des moyens de propulsion chimique. C'est d'autres moyens de propulsion. Puis ces technologies-là sont gardées dans les secrets militaires. C'est des technologies qui existent, mais sont gardées dans les secrets militaires. Donc, ça faisait un petit peu... ma compréhension. Puis, en juin dernier, on a commencé à travailler sur un cas. C'est une dame qui m'avait contacté en disant, bon, j'ai vu une sphère lumineuse quand j'étais plus jeune. C'est bizarre parce que, bon, finalement, elle avait un épisode de temps manquant, peut-être 1h30, 2h. D'accord. C'est la fameuse Sylvie qui t'a contacté, c'est ça? Sylvie P. Pas tellement longtemps. Puis, mais nous, lorsqu'on fait des enquêtes avec le MUFON, on a des protocoles pour chaque type de situation, notamment pour les cas d'enlèvement. Et pour les cas d'enlèvement, il y a des indicateurs bien précis. Quand les gens racontent certaines observations, ça donne une idée que c'est probablement en lien avec un enlèvement extraterrestre. Elle avait certains indicateurs dans son récit, mais en dehors de ces indicateurs-là, moi, j'avais de l'expérience dans les cas d'enlèvement déjà. Je savais un peu ce qu'il en était, puis en voyant son récit, j'en ai conclu qu'il y avait des bonnes chances que c'était ça. Donc, j'ai pris contact avec elle, demandé si on pouvait la rencontrer pour une entrevue, puis possiblement faire une régression. Était ouverte à l'idée. Elle voulait avoir des réponses à ses questions parce que la dame, maintenant, elle a 49 ans. Puis ces événements-là, ça date de plusieurs années. Elle avait 15 ans à l'époque. Donc, ça fait une trentaine d'années, presque 35 ans. Puis, tout au long de sa vie, elle n'a pas fait plus de recherches que ça au niveau de l'ufologie, mais elle était un peu à se questionner à savoir qu'est-ce qui pouvait être arrivé.
parce qu'il y a eu l'épisode de Femmes en camp, mais aussi parce que 5 ans après cet événement-là, donc vers 20 ans, c'est un rêve dans lequel elle voyait coucher sur une table, il y avait sa soeur à côté, parce que l'événement, il y avait sa soeur aussi, sa soeur plus jeune. Puis là, elle voyait, bon, l'être avec des grands yeux, les fameux gris. Puis lorsqu'elle s'est réveillée, elle croyait, en fin de compte, que c'était pas possiblement vrai. T'sais, le sentiment qu'elle avait, c'était plutôt un souvenir et non pas un rêve d'un cauchemar. Ça aussi, ça fait partie des indicateurs. Donc, moi, je connaissais d'autres personnes proches qui ont vécu ça. Puis les rêves, des fois, c'est la façon que les souvenirs peuvent avoir de faufiler et refaire surface. Donc, c'est ça, les rêves, c'est la façon dont a le cerveau de pouvoir se reconstruire et retraduire des événements qui lui paraissaient pas forcément logiques et pas forcément... Ben c'est un cas d'abduction parmi tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, il y en a beaucoup, sauf que c'est une infime minorité qui ont des flashs, qui ont des souvenirs, ou qui veulent aborder le sujet. Parce que une chose qu'il faut savoir, c'est que eux, ceux qui ont les enlèvements, ne veulent pas que ça sorte l'information, ils ne veulent pas que ça sache. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'eux aussi connaissent un peu le fonctionnement de la mémoire. Donc, ils induisent des suggestions hypnotiques pour que la personne ne se rappelle pas de l'événement ou qu'elle ne veuille pas s'en rappeler ou que si jamais ça vient à la surface, qu'elle se sente mal, sentiment de peur, de présence, d'angoisse, tout ça, on l'a vécu assez souvent dans des cas d'enlèvement, qu'on a rencontré la personne, puis on n'a pas toujours fait des régressions avec toutes ces personnes-là. Il y en a qu'on savait que c'est une grosse chance que c'était des cas d'enlèvement. Puis des fois, on devait arrêter l'entrevue parce que la personne ne se sentait pas bien, était paniquée. Mais le cas de Sylvie, c'est intéressant dans le sens qu'elle a une détermination à vouloir aller jusqu'au bout, même si elle vit toutes sortes de choses qui sont assez intenses d'un point de vue émotionnel. Le lendemain de la première régression, elle sentait une présence, elle a même visualisé un grand gris dans sa maison. Elle n'a pas dormi de la nuit, des grosses migraines. C'était très, très, très intense, très déplaisant. Mais, de son point de vue, elle voulait continuer parce qu'elle disait ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est eux les fautifs et non elle. Donc, elle n'avait pas à se culpabiliser de commencer à aller chercher ces souvenirs-là, de ces événements-là. C'est ce qui fait un cas intéressant en raison de son courage, sa détermination. Certains diront son entêtement parce que lorsque ceux qui liront le livre verront que c'est vraiment intense, là, parce qu'on a mis 6 régressions, on a fait 9 régressions en tout, mais dans le livre, on a mis 6 régressions détaillées textuellement. La question de l'hypnologue Pierre Coron, la réponse de Sylvie sur l'hypnose, et ainsi de suite. Puis des fois, même moi, je relisais le texte et je me sentais bizarre. Là. Tu sais, c'est émotionnellement, c'est dur à vivre. Donc, on se met à sa place, puis c'est sûr que c'était dur à vivre. Je vais donner des exemples de ce qu'elle a vécu. Ben, l'événement à 15 ans, c'est une insémination. Elle s'est fait implanter un embryon. Ils sont venus rechercher 10-12 semaines plus tard. Ils sont venus chercher le fœtus. Ils ont fait l'extraction du fœtus juste avant que ça commence à apparaître. Cohérent. Donc, ça permet d'assainir ces événements-là. Et du coup, parce que
Comment tu as déterminé que finalement ce n'était pas un cas d'abduction parmi tant d'autres, mais que c'était vraiment un cas d'abduction particulier? Ben c'est un cas d'abduction parmi tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, il y en a beaucoup, sauf que c'est une infime minorité qui ont des flashs, qui ont des souvenirs, ou qui veulent aborder le sujet. Parce que une chose qu'il faut savoir, c'est que eux, ceux qui font les enlèvements, ne veulent pas que ça sorte l'information, ils ne veulent pas que ça sache. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'eux aussi connaissent un peu le fonctionnement de la mémoire. Donc, ils induisent des suggestions hypnotiques pour que la personne ne se rappelle pas de l'événement ou qu'elle ne veuille pas s'en rappeler ou que si jamais ça vient à la surface, qu'elle se sente mal. Sentiment de peur, de présence, d'angoisse, tout ça, on l'a vécu assez souvent dans des cas d'enlèvement, qu'on a rencontré la personne, puis on n'a pas toujours fait des régressions avec toutes ces personnes-là. Il y en a qu'on savait que c'est une grosse chance que c'était des cas d'enlèvement. Puis des fois, on devait arrêter l'entrevue parce que la personne ne se sentait pas bien, était paniquée. Mais le cas de Sylvie, c'est intéressant dans le sens qu'elle a une détermination à vouloir aller jusqu'au bout, même si elle vit toutes sortes de choses qui sont assez intenses d'un point de vue émotionnel. Le lendemain de la première régression, elle sentait une présence, elle a même visualisé un grand gris dans sa maison. Elle n'a pas dormi de la nuit, des grosses migraines. C'était très, très, très intense, très déplaisant. Mais, de son point de vue, elle voulait continuer parce qu'elle disait qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est eux les fautifs et non elle. Donc, elle n'avait pas à se culpabiliser de commencer à aller chercher ces souvenirs-là, de ces événements-là. C'est ce qui fait un cas intéressant en raison de son courage, sa détermination. Certains diront son entêtement parce que lorsque ceux qui liront le livre verront que c'est vraiment intense, là, parce qu'on a mis 6 régressions, on a fait 9 régressions en tout, mais dans le livre, on a mis 6 régressions détaillées textuellement. La question de l'hypnologue Pierre Coron, la réponse de Sylvie sur l'hypnose et ainsi de suite. Puis des fois, même moi, je relisais le texte et je me sentais bizarre. Là. Tu sais, émotionnellement, c'est dur à vivre. Donc, on se met à sa place, puis c'est sûr que c'était dur à vivre. Je vais vous donner des exemples de ce qu'elle a vécu. Ben, l'événement à 15 ans, c'est une insémination. Elle s'est fait implanter un embryon. Ils sont venus rechercher 10-12 semaines plus tard. Ils sont venus chercher le fœtus. Ils ont fait l'extraction du fœtus juste avant que ça commence à apparaître. Puis, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu conscience physiquement d'avoir été enceinte pendant 12 semaines, c'est ça? Non, elle n'était pas consciente parce que le seul souvenir à l'époque qu'elle avait, c'était d'avoir vu la sphère lumineuse, d'avoir manqué un peu de temps. Et c'est tout. Puis, il n'était pas la seule à avoir vu cette sphère-là. Il y avait toute sa famille aussi, parce qu'ils sont précipités à la maison là, pendant l'observation. Quand ils sont précipités à la maison, c'était quand l'événement était fini. Okay? D'accord. C'était après le temps manquant. Eux pensaient qu'ils venaient juste de voir ça. Non. Ils sont précipités à la maison après que l'événement soit fini. Puis, on a des documents médicaux, justement, qu'elle nous a fournis pendant l'enquête. Elle a eu des gains de poids à l'âge de 15 ans, 10-12 kilos. Mais c'est pas parce qu'elle faisait de l'embonpoint, là. Okay? Puis après ça, elle a eu une perte de poids subite à 16 ans. Puis, ça,
Ça se situe exactement au moment de l'exhalation. D'accord, c'est pas parce que d'abuser sur le sirop d'érable, hein. On est bien d'accord. Non, non. Puis en plus de ça, elle a eu, pendant l'extraction du fœtus, nous, quand on a fait la régression, on a compris qu'elle avait eu une grosse perte de sang dans sa description de l'événement, parce qu'elle disait qu'elle se refroidissait, qu'elle perdait, qu'il y avait du liquide chaud entre ses cuisses, puis on en a conclu qu'elle a fait une hémorragie après l'extraction de fœtus. Puis on l'avait laissée seule dans la salle aussi. Puis, donc, la régression, cette régression-là se termine parce qu'elle a perdu conscience pendant l'événement, à 16 ans, durant l'extraction. Mais après ça, elle a fait une anémie. Mais une forme d'anémie inconnue, on va dire, parce que même les médecins n'ont pas vraiment compris ce qui se passait avec elle. Elle a fait des tests pendant plusieurs semaines, des tests hématologiques, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un des médecins qui lui a demandé « As-tu été en URSS? As-tu déjà été enceinte? As-tu déjà eu une transfusion sanguine? » À 16 ans, elle, c'est une fille qui vivait à la campagne. Non, elle n'a pas été en URSS. Non, elle n'a jamais été enceinte. Non, elle n'a pas eu de transfusion sanguine. Dans le document, on voit, même si les docteurs écrivent très mal, on est quand même capable de voir certaines choses. On voit VGM qui est bas. Le VGM, c'est volume globulaire moyen au niveau du sang. Ça veut dire qu'elle a perdu beaucoup de sang. Puis en plus, ses anticorps, il y avait certains anticorps de présents dans son sang qui n'expliquaient pas. Puis la seule façon qu'il expliquait, c'était par une transfusion sanguine. Puis l'autre chose, c'était aussi dans son sang, c'était visible qu'elle avait déjà été enceinte. Donc, on a des confirmations assez probantes. Oui, qui sont étayées par des preuves médicales. Alors moi, ce que je te propose, Marc, c'est que on en dispose pas plus par rapport au cas de Sylvie. Donc, ton livre, hein, c'est celui-ci. Donc, tu l'as coécrit avec Pierre Caron, c'est ça? Oui, Pierre Caron, l'hypnologue. C'est l'hypnologue, d'accord. Donc, Les enfants de Sylvie P, récit authentique d'un cas d'enlèvement d'extraterrestres au Canada. Et donc, je vais me retourner vers Pascal. Et je vais te demander, Pascal, comment est-ce que... vous vous êtes rencontrés, comment est-ce que tu en es arrivé, toi, à travers The Rob, ça y est, je l'ai bouffé, le mot The High Rob School, non, dis-le-moi. The Rob Charo High School. Voilà, c'est ça, il manquait Charo, pardon. The Rob Charo High School. Comment est-ce que tu en es arrivé donc à prendre contact avec Marc Saint-Germain et organiser donc ces conférences, cette tournée de conférences en France? Bah, en fait, pour la petite histoire, c'est la première tournée de Marc en France qui avait eu lieu fin 2014, qui m'avait fait sauter le pas et qui m'avait décidé à rentrer dans l'organisation des repas ufologiques, parce que je trouvais le thème intéressant et je trouvais dommage qu'une ville comme Marseille ne puisse pas accueillir un auteur international, puisque Marc n'était pas encore le patron du Neufon à l'époque. Hein. Donc j'avais dit, bon, bah, ce serait bien que ça existe à Marseille. On m'avait fait un premier repas pour se faire un petit peu la main. Et puis Marc était arrivé pour le deuxième repas. On avait fait une belle soirée ce soir-là, hein, puisqu'on avait quand même une salle de restaurant qui était assez grande, et en fait on l'avait remplie à ras-bord. Et je me rappelle, Marc et Annie et moi-même avions dû manger sur la table où il y avait le rétroprojecteur, parce qu'il n'y avait plus du tout de place dans le restaurant, donc on avait mangé à côté du rétroprojecteur. Mais bon, c'était plutôt une bonne surprise, puisque c'est vrai que c'est toujours agréable pour un conférencier d'avoir un petit peu de public. Bon, c'est vrai que moi j'ai trouvé le discours de Marc très intéressant. Alors c'était sur un domaine particulier, puisque là c'était pour défendre le livre Les gardiens du silence. Après, c'est vrai que bon, moi aujourd'hui je suis avec The Rob Charo High School, et Marc a eu l'occasion de venir en France et très gentiment m'a demandé si on pouvait faire quelque chose sur Marseille. Et moi, recevoir de nouveau Marc, et ben, c'est un grand plaisir. Et je suis ravi qu'on attaque un nouveau thème, l'abduction, qui est pour moi un sujet passionnant. Et je suis ravi de pouvoir en discuter avec lui. Et puis aussi, malgré tout, je pense que Marc a ça dans un coin de sa tête, et moi aussi, de parler du MUFON en France et de voir un petit peu ce qu'on pourrait bien en faire.
Mais ça, je laisse Marc en parler peut-être un peu plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, le MUFON en France, on ne peut pas dire qu'on en entende beaucoup parler. Voire même, je suppute que nombre de nos spectateurs aujourd'hui vont découvrir qu'il y a un MUFON en France. Oui, MUFON en France existe, comme je l'ai dit justement aujourd'hui à Bob. Mais c'est plus sur papier. Il n'y a vraiment plus personne qui s'en occupe. Moi, ce que j'ai fait, j'ai rencontré David McDonald, qui est le directeur de MUFON à l'international, parce que le directeur exécutif pour MUFON, tout le MUFON, mais il y a un directeur qui, lui, s'occupe des chapitres internationaux. Puis j'y avais parlé déjà l'année passée que la France, moi, j'étais prêt à aider pour le développement de la France. Mais à l'époque, on n'avait pas le temps de s'en occuper parce qu'on devait développer le Québec avant. Puis cette année, je l'ai rencontré une autre fois en Floride. Puis là, j'y ai parlé de leur part à mesure que votre structure a grandi. Puis ils ne sont pas gourmands. Ici, au Québec, on a eu des très bonnes ententes avec le Fonds international. Puis tout le monde est content. Et même, on a été surpris pourcentage de ce qu'il y avait, c'était vraiment minime, là, ridicule, presque. Puis c'est probablement la même chose qui va arriver avec MUFON France. Sauf que ça prend des gens qui sont prêts à s'investir. Parce que, oui, il y a une structure financière, mais ça ne veut pas dire que les enquêteurs sont payés. Là. Non, mais tu sais, il faut se déplacer, il faut payer l'essence, les autoroutes en France. Je ne te parle pas du prix. Puis bon, il y a tout le défraiement, etc. Il y a un minimum qui est indispensable pour pouvoir faire fonctionner ce genre de choses. Et donc, ce serait pour Horizon 2007, Horizon 2018 la mise en place de cette structure. Voilà, remise en place de la structure. Moi, je vais rencontrer des gens comme Pascal, comme tous les autres que je vais voir sur mon chemin. Puis, eux vont avoir la possibilité de comprendre vraiment cette structure-là parce que c'est pas durant les conférences que je vais donner que je vais parler en profondeur du MUFON parce que ce serait une conférence de 2-3 heures, ce serait technique, puis c'est pas tous les gens qui s'intéressent, là. C'est ceux qui veulent vraiment s'impliquer. Mais je vais avoir du temps avec certains acteurs principaux du domaine de l'ufologie en France. Mmh. Pour expliquer un peu la vision des choses. Puis c'est certain qu'eux vont comprendre ce qu'il y en est. Soit qu'ils vont s'intégrer à la structure ou soit qu'ils vont continuer. Tu sais quoi, moi je vois vraiment bien Pascal, président du MUFON France. Hein. Mmh. Et puis en plus, on est sûr qu'au niveau finance, il n'y aurait pas une virgule qui dépasserait. Hein, ce serait nickel. Là, c'est sûr que bon, ce serait carré. Non, c'est vrai que je suis très content encore une fois que Marc vienne défendre un nouveau livre qui est très intéressant, mais moi je trouve cette approche effectivement de sensibilisation, de faire découvrir le MUFON aux Français, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une structure sérieuse, c'est une structure qui a fait ses preuves outre-Atlantique. Je pense que Marc l'a dit, il y a une méthode, et c'est ce qui manque aujourd'hui en France, puisque peu d'enquêteurs ont une vraie méthode et une vraie approche, puisque le MUFON, c'est des décennies d'expérience pour sortir ce manuel. Je pense également, très concrètement, que ce ne serait pas une structure concurrente du GEPAN, mais bien au contraire complémentaire, puisqu'encore une fois, moi aujourd'hui, je fais partie des défenseurs du GEPAN. Je pense avoir compris à quoi il sert. Alors, je ne dis pas que les autres n'ont pas compris, mais j'adhère à la genèse, à l'ADN du GEPAN, et je pense que le MUFON peut apporter quelque chose au GEPAN si c'est structuré, si les contacts, si on travaille en bonne intelligence. Donc, je pense qu'il y a vraiment une place pour le MUFON aujourd'hui en France, et je pense que Marc a les qualités et l'expérience pour faire en sorte que la mouture prenne et que le MUFON devienne un acteur important et intéressant pour d'une part les gens qui s'intéressent à l'ufologie, mais surtout pour les gens qui font des observations et ne savent pas toujours
ou s'adresser ou ne veulent tout simplement pas s'adresser au GEPAN, puisque à force de tirer dessus, bah, c'est sûr que de temps en temps, il y a des balles qui font mouche. Hein. Donc après. Alors, disons, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu adhères à la genèse du GEPAN. Effectivement, à la base, le principe est complètement génial. Et effectivement, si la structure avait vraiment tenu ses promesses, ça aurait été quelque chose d'excellent. Maintenant, on n'est pas là pour débattre sur le GEPAN. Par contre, avoir un GEPAN finalement civil à travers le MUFON. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Ça, au moins, ça sera nickel. Un GEPAN civil, on aura. Ouais. Voilà, il n'y aura pas de doute d'ingérence du gouvernement ou d'autres groupes, en tout cas, on espère, dans ce genre de structure. Simplement, ouais. Un contrepoint intelligent, mais surtout qui travaille. En coopération, mais travailler en coopération, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle et ça ne veut pas dire qu'on adhère chacun à tout ce que fait l'autre, effectivement. Tout à fait, ok. Alors, pour conclure, parce que l'heure tourne, donc du coup, on a dit que tu attaquais ta première conférence donc, à Marseille, chez Pascal, le 12 octobre, donc c'est mercredi prochain, hein, ça. Ça va vite arriver. Allez, je vais partager la grille des autres dates qui, elles, du coup, sont organisées par les repas ufologiques, c'est ça? Donc, le jeudi 13 octobre, tu seras à Carpentras. Le vendredi 14 octobre à Dijon. Le samedi 15 octobre à Paris. Dimanche, tu fais ta pause dominicale. Le lundi 17 à Lille. Et tu finis du côté de nos amis belges. Enfin, tu vas aller faire un petit coucou à David Mogiel, je ne sais pas si tu le connais, mais voilà, j'en profite pour le saluer. Antoine, juste un petit mot, encore une fois, un joli bandeau de notre ami Alex Esco. C'est lui qui a généré le bandeau publicitaire, et encore une fois, bravo. Très, très beau travail. Écoute, tu fais bien de le préciser, parce qu'effectivement, Alex fait un très beau boulot. Ouais. On l'a vu sur l'affiche que tu as organisée. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question de savoir si c'était bien passé. Mais visiblement, de ce que j'en ai vu sur Facebook, il n'y a eu que du bon retour. Les gens avaient l'air contents. Enfin, moi, je l'étais en tout cas. Donc après… Donc, il y aura un bis répétitas, ça sera génial. Alors, juste pour dire, Alex Esco va avoir une grosse activité, une grosse actualité, mais ça, on en reparlera. Et je l'appuierai vraiment de tout mon poids pour qu'il y arrive. Et sachez qu'à Marseille, ça bouge pas mal aussi, puisque l'info est officielle. Damian passera dans les Bouches-du-Rhône le 15 décembre et fera une tournée nationale. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour les gens qui s'intéressent à l'archéologie interdite et à l'ufologie. Ouais, tout à fait. Dans le cadre de la sortie de son livre au mois de décembre et de son nouvel opus, nouveau film documentaire, dont il projettera, il me semble, les quelques dizaines de minutes du début du film documentaire. 20 minutes de projection et une conférence à la suite sur les voyages qu'il a pu faire. Donc, ça va être passionnant. Ok. Bon, ben en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette tournée. En tout cas, nous, qui nous fait bien plaisir que tu fasses le déplacement jusqu'en France. Bon, de toute manière, c'est vrai que tu es un habitué, hein, tu passes assez régulièrement sur le BTLV. Tu as écrit aussi pour Top Secret, il me semble, Marc. Oui, j'avais écrit 3 articles sur le programme spatial clandestin. Et qui étaient intéressants puisqu'ils étaient complémentaires avec les gardiens du silence, c'est-à-dire que ce n'était pas une redite. C'était un complément, c'est-à-dire ceux qui ont lu Les Gardiens du Silence trouvaient des informations supplémentaires dans ces 3 articles, et ça c'était chouette aussi. Ouais. Voilà. En tout cas, tu es un ufologue tout à fait complet, et je pense que nos concitoyens auront plaisir à te suivre à travers cette grande tournée donc, qui commence le 12 octobre à Marseille et qui se termine le 19 octobre à Bruxelles. Donc dépêchez-vous de réserver vos places. Hein. Juste Antoine, pour les Marseillais qui veulent venir, toutes les informations sur Rob Charroux High School Marseille ou Rob Charroux High School Marseille spécial Marc Saint-Germain. Tout à fait. Ou alors sur mon site et ça vous amène directement sur la page Facebook l'événement créé par Pascal. Et là, vous allez retrouver toutes les infos pour pouvoir vous inscrire. Un petit mot pour conclure, Marc. Préparez-vous à avoir des informations qui vont brasser un petit
peu vos conceptions, vos perceptions de la réalité, parce que moi-même, en faisant cette enquête-là, ça m'a perturbé, carrément perturbé. Puis c'est pour cette raison que j'ai voulu partager cette information tout de suite, avant que les services de renseignement m'assassinent. c'est important que les gens le sachent, je crois. Puis, c'est que notre perception de la réalité, même si on dit « Ah, on est pas seul dans l'univers, on est visité, puis tout ça », ce qui se passe présentement, ça dépasse n'importe quel film de science-fiction. Ça, je peux vous l'assurer. Puis, c'est assez incroyable, mais c'est excitant en même temps de voir là, notre implication en tant que civilisation dans ce qui se passe aussi, parce qu'on a une implication active et passive. Je ne vais pas en dire plus. Non, tu nous as déjà bien fait flipper, là. C'est bon, tu vois, on a tous des frissons dans le dos. Non, mais écoute, c'est génial. On invite tous nos auditeurs et spectateurs à soit participer à tes conférences, ou soit carrément acheter ton livre, ou les deux. Les deux sont possibles. Il ne faut pas s'en priver. Et puis, aux conférences, tu feras des petits dédicaces, je suppose, donc tout le monde sera heureux. Les livres ne seront pas disponibles avant le 15 à Paris. C'est ça qui est un petit peu dommage, sauf que bon, ensuite, les gens vont quand même pouvoir le faire venir par Internet. En tout cas, Marc, merci d'être venu de si loin. Pascal, au plaisir de te revoir très bientôt. Je pense qu'avant la petite tournée de Damian, on fera un petit bout de causette ensemble. Ouais, avec plaisir. Et puis, Marc, je te souhaite une bonne chance et de prendre beaucoup de plaisir sur le sol français pendant ta tournée. Ben, merci Antoine, c'est un plaisir d'avoir participé à ton émission. Merci à Pascal pour m'avoir déniché encore une fois des entrevues. Ok, bah, écoute, salut et puis la bise au caribou. À bientôt les amis. Ciao. Donc voilà, c'était Marc Saint-Germain et Pascal Fechner. Et puis eh bien, on en profite pour accueillir Joanie qui vient tout juste d'arriver. Bonsoir Joanie. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Un peu stressé, mais ça va. C'est ta première télé? Ouais, c'est ça, c'est la première. Alors, t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, ça va très, très bien se passer, tu vas voir. Bon, Sylvano, il mord pas, ça va. Ça va bien se passer aussi avec lui. Alors, donc, justement, on était en train de finaliser cet agenda de la semaine du 10 au 16 octobre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le salon de l'ésotérisme et de la voyance, qui va se passer donc sur Rouen, donc vraiment là on va être voisins pour le coup, du 15 au 16 octobre à Rouen, en face des Docks 76, hein, c'est ça, pas très loin, qui est Ferdinand de l'ESSEP. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce salon? Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y aura des conférences sur plusieurs thèmes, donc sur la médiumnité, la radiesthésie, l'hypnose, sur la lithothérapie, sur le Reiki, sur les soins énergétiques, les purifications aussi des domiciles et des personnes, comme aussi comment communiquer aussi avec ses défunts. Il y a aussi... D'accord. Il va y avoir une médiumnité en direct pour pouvoir communiquer avec les défunts? Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, le samedi 15 octobre, de 20h à 22h, Franck Gimer anime une grande soirée sur la médiumnité. D'accord, de 15h à 16h30, t'as dit, c'est ça? De 20h à 22h. Ok, je suis complètement sourd. C'est grave. Ah oui, donc en plus, le samedi soir, donc, vous faites... Oui, il y a une grande... Okay. Ouais.
Et ce salon est organisé par finalement des boutiques que je découvre, parce que c'est le premier salon de la voyance qui se fait sur Rouen. C'est organisé par qui ? Alors, c'est organisé par Secret Magique, donc sur les boutiques d'Evreux, de Rouen et d'Elbeuf. Donc, Franck Gimer, qui est à la tête des boutiques, des médiums et thérapeutes hypnotiseurs. D'accord. Et donc, pour alors le prix d'entrée déjà, le prix d'entrée est de 4 euros tout à fait. Donc, sachant que les conférences, si vous voulez assister aux conférences, c'est gratuit. Donc, il y a uniquement… Une fois que tu rentres, tu peux accéder à toutes les conférences. Oui, il va y avoir seulement la conférence du samedi, il y a une participation de 15 euros, l'entrée de 15 euros. D'accord. OK. Et pour les autres conférences, c'est juste 4 euros et après, c'est accès libre aux autres conférences. D'accord, c'est très clair. Donc, je suppose qu'il va y avoir aussi tout un tas de stands liés à la voyance et à l'ésotérisme. Donc, vous allez retrouver des cartomanciennes, des médiums, des voyantes. Donc, il y a aussi d'autres intervenants que toute l'équipe de Secret Magique. Allô ? D'accord, t'as... Oui, on t'entend bien. J'ai l'impression. Oui, non. Donc, je suppose, oui, il y a d'autres intervenants, ce sont des intervenants locaux. Est-ce que vous avez des têtes d'affiche, d'ailleurs, qui seront là pour ce premier salon ? Donc, on va avoir Franck Gimer, on va avoir Jean-Fabrice, qui est un médium qui fait des transfigurations. Jérôme UV qui va faire sur la reconnexion des fréquences de guérison. Et après, c'est quand même notre équipe qui va être présente. Hein. Donc Stéphanie, Micheline Lambert, moi-même. et finalement, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de salon avant sur Rouen ? C'est vrai que ces salons naissent un petit peu dans toute la France, mais là, en Normandie, il n'y avait pas grand-chose jusqu'à maintenant. Je pense que personne n'y avait pensé jusqu'à présent et que il fallait le faire. D'accord. Donc ça signifie que derrière, il va y avoir d'autres projets qui vont s'enchaîner par rapport à ça. Tout à fait. Tout à fait. T'as déjà des petits scoops à nous donner ou... Non, j'ai pas de scoop. Ok, bon, on verra déjà au premier salon comment ça se passe. Puis, donc, peut-être un deuxième salon si le public rouennais est au rendez-vous. Alors, voilà. Rouennais et puis venir de Paris au sud de la France. On a une très, très belle, très, très belle région. Ok, ouais, il faut bien. Valérie n'étant pas là, hein, il ne peut pas me contredire. Il vient de la Normandie. Ok, Giovanni. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour sur le sujet. Donc, si je résume, c'est samedi et dimanche prochain avec donc une nocturne samedi. Le prix d'entrée est de 4 euros et 15 euros pour la conférence du samedi soir. Donc, il y a des conférences, des ateliers. C'est organisé par Secret Magique. Et puis, voilà, c'est à côté des Docs 76. C'est assez facile. Pour se garer, c'est au-dessus du café, j'avais vu ça, je ne sais plus, All Sports Café, pour ceux qui sont du coin, y connaîtront. Voilà, écoute, Johnny, merci d'être passé nous parler de tout ça. Merci à toi, merci à toi. Un bonjour à ton équipe, et puis je passerai sûrement le week-end prochain vous faire un petit coucou. J'espère te voir. Ok. À bientôt. Allez, salut. Ciao. Bon, écoute, Silvano, voilà ce qui conclut notre agenda culturel de la semaine prochaine. Et alors, je te propose de passer immédiatement à la revue de presse, comme je parlais de Valerio, présentée par Valerio, qui va nous parler donc de Science et Univers numéro 21, l'inversion des pôles, que doit-on craindre ? Voilà, donc Valerio, comme on vous l'avait annoncé,
quitté complètement la chaîne. Il est là une fois par mois pour nous faire une revue de presse. Allez, Valerio, c'est à toi. Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle chronique magazine sur Miasme TV ce mois-ci. Vous me voyez, hein, vous me voyez qu'une fois par mois, on ne me voit plus hebdomadairement, on me voit mensuellement. Je fais la chronique magazine, les chroniques magazine de Miasme TV. Aujourd'hui, ce mois-ci, on va s'intéresser tout simplement au numéro 21 de Science et Univers que j'ai là sous les yeux. Regardez, je l'ai juste là. On va parler notamment de l'inversion des pôles de l'espace, de la recherche contre le cancer. Mais je vous le rappelle, j'aimerais rappeler un petit peu toujours le concept de cette émission. C'est pas de vous dire ce qu'il y a dedans. Ça, c'est à vous de le faire, c'est à vous d'aller l'acheter. C'est à vous de vous déplacer dans le kiosque voisin de votre ville ou de votre village, peu importe. Et d'aller vous déplacer, d'aller acheter ce magazine au prix de 6,90€. C'est même pas le prix d'un abonnement. Hein. Même pas le prix d'un abonnement d'une TV ou d'un Canal Plus ou d'une. C'est moins, c'est pas cher et c'est plein d'informations. Alors sur cet univers-là fait un peu moins de 100 pages. Donc vous voyez, c'est costaud. Hein, c'est costaud. C'est un format pas A4. Alors si je pourrais vous donner un exemple d'un format A4. Moi, tiens, on va prendre celui-ci. Format A4, psychologie réussir. On a le sur cet univers-là. C'est un peu plus grand que le 5000 ans d'histoire mystérieuse, psychologie réussie, on va le remettre là. C'est un tout petit peu plus grand et c'est vraiment, hein, y a vraiment pas mal de choses. Vous voyez des couleurs, des textes, des photos, des images, c'est magnifique. Hein. Alors, on va parler de cette science et l'univers. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? On y trouve énormément de choses. Alors, on va commencer petit à petit, bien évidemment. On va nous parler de beaucoup de news. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle. Alors, on en parlait justement cette semaine dans les médias, hein, que la NASA, justement, nous apprenait quelque chose. Voulait faire une annonce officielle. Voilà, ça a été fait. L'océan d'Europe pourrait abriter la vie. La NASA l'a confirmé. Sachant que c'est une news qui égale aussi depuis 2012, hein. c'est pas en un an qu'on a trouvé ça. Si vous cherchez bien, il y a déjà eu des préquels à ceci. Alors, c'est un magazine auquel vous avez pas mal de news sur pas mal de sujets, sur là par exemple c'est les comètes, la voie lactée vue de la station spatiale internationale. Regardez, vous pouvez voir des photos comme ça, c'est assez stylé. Regardez, on nous parle des requins, on nous parle de la nature vierge, etc. Alors, parmi ces quelques chiffres et parmi ces quelques news, on va notamment nous parler du réchauffement climatique et du business qu'il y a par rapport à tout ça. Il faut savoir que même si au nord ça fond, le sud ça fond pas. Et il y a un business dans le nord qui fait que, avec la fonte des glaces, il y a des nappes de pétrole qui deviennent plus accessibles, des lieux qui deviennent plus accessibles, où vous pouvez, avant vous ne pouviez rien faire, maintenant vous pouvez construire dessus. Et on va nous parler un petit peu de tout ça, donc c'est plutôt intéressant. On nous parle aussi du business par rapport aux astéroïdes. Pourquoi vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fout avec une astéroïde? Ben, l'astéroïde, elle peut renformer des minéraux, des métaux, des choses comme ça, qui sont plutôt difficiles à trouver sur Terre. Et on commence à chercher à prendre ces astéroïdes-là et à en faire quelque chose. Du moins, c'est un projet. Parmi ça, on a également alors une news qui m'a fait assez rigoler. Alors qu'on a plein de trucs, on a des trucs sur les poulpes, hein, on a des trucs sur les mouches, hein, vous débrouillez avec tout ça, hein, honnêtement, avec tout ça, vous voulez lire des trucs à la... Les mouches goûtent avec leurs ailes, vous voulez vraiment lire tout ça, voilà, je vous lis tout ça. Il y a une news à chaque fois, hein, regardez, c'est énorme. Tout ça pour arriver à... alors qu'on va nous parler du cancer, hein, bien évidemment. Alors moi, je voulais vous montrer un truc assez drôle. Regardez. Je retrouve plus cette photo, mais vous allez voir, c'est rigolo si je la retrouve ou pas. Je sais pas si je vais la retrouver, mais normalement, ça devait être là devant. Excusez-moi. Hein. On va nous parler. Vous savez quoi? Si je le trouve pas, tant pis. C'est tout simplement à Dubaï, hein, donc ouais, la capitale de riches là où on a sorti une ville du désert. On parle de faire des robots policiers d'ici à 2020. Donc on a déjà commencé. Il y a une photo dedans. C'est pour ça que j'aimerais vous la montrer. Voilà, elle se trouve juste ici. Regardez. Si demain en France on se faisait arrêter par des policiers comme ça, ce serait vraiment drôle.
Ou pas d'ailleurs, parce que ça craindra un peu. Enfin, déjà que des gens respectent plus le costume, alors imaginez des robots quoi. Des robots policiers d'ici à 2020, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur la vidéo de Miasme TV, que ce soit dans l'émission hebdomadaire ou dans l'émission mensuelle, puisque vous savez, maintenant il y aura une partie qui passera dans Miasme TV, et comme ça risque d'être un peu long, on va couper et on mettra l'émission complète sur YouTube. Voilà. Ensuite, on a quoi? On va parler des tempêtes solaires, hein, des tempêtes solaires avec le staff qui veut dire le Solar Timeline Viewer for Effect. Voilà, quels risques qui sont liés, quels risques la Terre a par rapport à ces tempêtes solaires, qu'est-ce qui pourrait nous arriver et tout, il pourrait se passer des catastrophes, etc. C'est terrible, c'est terrible. On va nous parler également de la population mondiale. Vous savez que, je vous l'avais peut-être vu avant, une information comme ça, hein, 80% de la population mondiale ne peut plus voir les étoiles à cause de la pollution. Il y a tellement de merde et tout en ciel que 80% des gens ne peuvent plus voir les étoiles. C'est fou. C'est fou. Alors souvent le soir on se dit, ah, il y a des nuages, on ne pourra pas voir les étoiles. Et c'est vrai que si vous allez dans un endroit un peu non civilisé où il n'y a pas trop de pollution, vous allez voir la différence qu'il y a entre regarder le ciel dans la pampa où il n'y a personne et regarder le ciel dans la nature. Vous avez l'impression que le ciel est tout près de vous en fait. Et en fait c'est pas le cas, c'est juste que dans la ville bah, c'est tellement pollué que vous ne voyez rien. On va également nous parler donc dans ce Science et numéro 21. Donc numéro 21 qui est alors. Par contre, je ne l'ai pas dit, c'est un trimestriel. Hein, c'est un trimestriel, je le rappelle. Donc, ça paraît tous les 3 mois. On va donc nous parler des requins, des mouches, des oursins, des poules, des grenouilles. On a découvert des dinosaures à 4 cornes également. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, des dinosaures à 4 cornes, ça peut donner. On va nous parler. Alors, il y a un bel article, un petit article sur quelque chose que j'ai bien aimé. Et on ne va pas tout citer parce que sinon, demain, on y a encore, n'est-ce pas? Un article sur la nature et qui l'article s'intitule La nuit, les arbres dorment aussi. Alors vous allez me dire, ah tiens, est-ce qu'il y aurait des hentes qui se baladeraient dans la nature? Alors il se passe quelque chose, effectivement, des scientifiques ont observé les arbres et on les ont filmés les ont filmés. En observant ces arbres-là, ils se sont rendus compte que lorsque la nuit tombait, les arbres agissaient différemment et qu'il se passait quelque chose avec ces arbres-là. Bien sûr, il y a une influence jour-nuit, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour que le rédacteur qui a écrit ce titre-là, alors pareil, c'est dans une news du truc, hein, je ne sais plus, je ne me suis pas amusé à mettre 40 000 post-it, hein, que se passe-t-il pour qu'il a mis ce titre-là en fait, hein, les arbres dorment aussi. Alors il se passe un truc et je trouve que c'est vachement intéressant. N'hésitez pas à le lire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment tout ce qui est être de la nature, fées, compagnie, Seigneur des Anneaux avec les Ents et tout. J'ai trouvé ça vraiment top. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit hop, 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 c'est parfait. On va également nous parler dans ce Science et numéro 21. Vous voyez, on touche un peu à tout là. On était dans l'espace, après on est parti en termes de la nature et tout. On est parti dans la technologie, hein, avec les robots à Dubaï. On va essayer également nous parler des nouvelles technologies en archéologie. C'est vraiment un nouveau truc là que vous avez là, la révolution de l'archéologie, titre le magazine. Vous allez pouvoir le voir avec des nouvelles photos de ce type-là. Regardez, là, on a les pyramides, par exemple. Alors, on sait que les pyramides de Gizeh, il n'y a pas longtemps, ont été justement testées à ce sujet-là. Et on a découvert des choses étranges, et donc, il y a des nouvelles technologies qui sont parues. Pareil, il faudra lire ce magazine pour connaître tous ces détails. Car je le rappelle, hein, moi, mon but, c'est pas de vous dire ce qu'il y a dans le magazine. Sinon, ça sert à rien. Sinon, je vous lis le magazine, on passe 3 heures dessus, et après, l'éditeur de ce magazine, il gagne plus un rond, quoi. Donc, ça sert à rien. Et limite, je pourrais faire du plagiat et je pourrais avoir des soucis. Et enfin, pour finir, je vous le rappelle, en début de titre, en début de vidéo, on avait l'inversion des pôles. Que peut-on craindre? Que doit-on craindre sur cette inversion de pôle? Moi, c'est ce qui m'a marqué quand je suis allé dans le kiosque. En fait, je vous explique. Moi, quand je choisis un magazine, je vais dans le kiosque et je dis, tiens,
quel sujet va m'intéresser. Alors je regarde les premières pages et tout. Alors ce qui est plutôt marrant pour l'anecdote, c'est ce magazine-là s'est retrouvé tout en haut, à côté de Top Secret, planqué, limite, vous ne le voyez pas, parce qu'en plus il n'est pas très grand. Au fond d'un kiosque, hein, c'est le plus grand kiosque de la ville, en plus où je vais, pour être sûr de trouver un peu tout. Et donc, j'ai trouvé ça, et j'ai vu inversion d'épaule. Inversion d'épaule, les amis, je vous invite maintenant à prendre une calculette. Pourquoi ? Parce qu'on nous apprend, cher ami, que sur les 200 millions, sur les dernières 200 millions d'années de la vie de la Terre, bien évidemment, il y a eu 300 inversions de pôle. C'est-à-dire que, hop là, vous voyez, ça fait, vous avez pris une bouboule, vous la tournez. Est-ce que c'est la bouboule qui tourne ou est-ce que c'est les pôles magnétiques qui tournent? Pareil, je vous invite à lire ce magazine et à vous renseigner et à prendre une calculette. Et je vous invite à faire tout ce calcul chez vous. Faites 200 millions divisé par 300. Le résultat est plutôt étonnant. Alors après, est-ce que c'est un résultat qui est là pour faire vendre quelque chose ou pas, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à lire. C'est plutôt drôle, entre guillemets. N'y voyez pas le chiffre de la bête, bien évidemment. Quant à moi, et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, on va encore nous parler des transports en commun, de l'hyperloop, des moyens de transport pour prendre le moins de place dans les grandes villes. Enfin, il y a tout un tas de choses dans lesquelles on nous emmène. On parle des robots. Est-ce que ça menace nos emplois, les robots, hein? On sait qu'on en parle de plus en plus. Est-ce qu'on sait que maintenant... On en fait de plus en plus, notamment en Asie, en Asie de l'Est, surtout côté Japon, où là-bas, ce sont les piliers de la robotique. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire ce Science et Univers, Inversion d'épaule, que doit-on craindre pour le sujet principal, après pas mal de choses, avec notamment les arbres. Moi, c'est ce qui m'a marqué, hein, personnellement. Voilà. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était la chronique magazine numéro 2 de Miasme TV qui présentait le numéro 21 de Science et Univers trimestriel, donc de août à novembre 2017. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Des gros bisous. Bye bye. Donc c'était l'inversion des pôles avec Valerio et son passage mensuel sur Miasme. Bon, bien voilà ce qui va clôturer cette émission assez un peu plus longue que d'habitude. Hein. C'est vrai qu'on était revenu à un format d'une heure. Là, je pense qu'on va arriver proche des deux heures, tant les sujets abordés étaient assez consistants ce soir. Silvano, nous on va se revoir très bientôt pour une interview que l'on va réaliser ensemble, d'Audrey Dufour. Oui. Voilà, donc tu viendras co-animer cette interview et ça va nous permettre, en tout cas vous permettre, si vous ne l'avez pas déjà vu sur BTLV, entre autres, hein, de découvrir Audrey, qui est une amie de Silvano, entre autres. Voilà, donc ça sera très bientôt, d'ici deux semaines, je pense, sur Miasme TV, dans Rencontre hors du commun. Je te remercie, tu as fait un vrai, vrai, vrai gros travail. Promis, je ne te donne plus de commandes. On sent que ça te fait bosser derrière. En tout cas, c'est un véritable plaisir. Vous profitez aussi, maintenant, je remets aussi sur le site miasme.com, dans la rubrique News, la petite info UFO du jour de Silvano, qu'il met sur le groupe UAT. Voilà, et j'en profite aussi pour la mettre sur Miasme. Comme ça, vous pouvez y retrouver aussi très facilement. Puis n'hésitez pas à vous abonner à UAT. Hein. C'était quand même un bon groupe. Merci Antoine. Allez, à très bientôt et donc à la semaine prochaine pour le numéro 25. Bye bye. Ciao.